Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir. Je viens d'éternuer. Ah, c'est dur la vie. Ça va, vous allez bien? Voilà, je vais monter un peu la musique. Vous me direz si c'est trop fort la Zikmus, il faut que je baisse. Ah! Ah, ça va mieux, ça va mieux. Ah, bon. Déjà, un truc cool. J'ai reçu des petites décos pour mon sapin de Noël. Donc je vais pouvoir le décorer. Il va pouvoir ressembler à quelque chose. Alors j'ai une guirlande toute lumineuse, incroyable. Bon, je sais pas ce que ça va donner. J'ai des maxi boules. Voilà, des maxi boules bleues et blanches. Bon, elles sont pas très très jolies. Il y en a déjà une de pété d'ailleurs. Ça transpire pas là. Il y a des grosses lignes de moulage en plus sur les boules. C'est terrible. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. 200 sols, on va partir à la plage. On a fait péter le budget. On a de l'argent pour décorer son sapin. D'avoir des boules, tout à fait, tout à fait. Bon, j'ai eu un peu la flemme de le faire aujourd'hui, alors je pense que je le ferai demain. Peut-être demain matin. Du freehand sur les boules. Ouais, je sais pas. Ce sera un peu long quand même. Sinon, on colle un truc dessus. Mais vous le verrez pas, de toute façon, il est tout au fond, le sapin, il est trop petit, quoi. Et donc voilà, bon, il faut que je le décore. J'ai des guirlandes à pied. Au moins, j'ai envie de regarder à quoi ressemblent ces guirlandes. Est-ce qu'on ferait pas ça, tiens? Un sextoy féminin? Bah, ça serait pas de très bonne qualité, hein. J'aurais pas envie de me mettre ça dans le... Après, tu sais, c'est pas parce que c'est un truc à s'enfiler que c'est féminin, hein. On peut avoir des envies... Waouh! Regardez-moi ça. Attends, c'est incroyable. En plus, je suis même pas tout à fait en retard parce qu'on est au début du mois de décembre. D'habitude, quand j'installe les décorations de Noël, c'est au mois de janvier. Là, pour une fois, je serai à l'heure, quoi. Comment ça se déplie, ce truc? C'est tout enroulé. C'est la misère. Salut, Angry Painter. Oui, c'est un unboxing des magnifiques guirlandes de chez Games Workshop, évidemment. Notre partenaire officiel de la chaîne. C'est pas facile. Ils ont bien, bien enroulé, le truc. La qualité n'est pas faite pour si ça pète dedans, c'est la cata. Oh bah là, je pense que si ça pète, ouais, t'es pas bien. C'est des petits morceaux de plastique, c'est pas super sexy. J'aurais pas tellement envie de péter là-dessus, quoi. Si tu mets trop, tu risques de les oublier et de les garder jusqu'à Pâques. Je sais pas. Après, si ça brille, si ça fait de la lumière, je vais peut-être pas l'oublier, non? Il y a moyen que je m'en souvienne. C'est vachement dur, hein. Ils ont tout emmêlé le truc, c'est compliqué de ouf, hein. Ou alors c'est peut-être moi, j'ai pas l'habitude de faire des décos de Noël. J'avais juste envie de voir cette guirlande comment ça brille. Waouh, attendez, je crois que j'ai fini, c'est bon, c'est dénoué. Ok, j'ai des piles. 50€. 50€, mais sans les piles, monsieur. Chez Games Workshop, 50€, c'est énorme, mais 50€, c'est la première guirlande. Je pense qu'après, t'as la version un peu plus balèze, qui est un peu plus grosse. Alors attends, comment qu'on ouvre ce truc? Putain, j'arrive même pas à l'ouvrir. Ah si, j'ai trouvé. J'ai trouvé, c'est bon. Alors hop. Hop, je vais tester ça. Alors attendez, est-ce que ça fait un truc de fifou? Petite lumière d'ambiance.
Oh, regardez-moi ça, ça brille de mille feux. Ah, vous savez quoi? Je vais le chercher, je vais le mettre tout de suite. Comme ça, c'est fait. Je vais pas mettre les boules parce que ça va durer des heures. Je pense que je vais m'énerver. Ah! Il fait me casser la gueule. Salut Spawn! Tu vas nous faire une figurine peinte à la lumière? Ça serait trop classe. Et si ça se trouve, je peux me servir de cette petite guirlande de Noël pour agrémenter ma table de wargame, tu vois. Je voulais mettre des lumières. Et bah, peut-être que c'est ça la solution, en fait. On rajoute une petite guirlande. Ça peut être cool. Ou peut-être pas. Hop là. Salut, petit bâtard. Ah, il est incroyable, hein. On a fait péter la Twitch Money, hein. Là, on a mis l'argent. J'ai dépensé l'argent des abonnés. Je crois que la guirlande, elle est beaucoup trop grande pour mon sapin. Oh, allez, jamais aucune guirlande ne sera assez grande pour Michel. Oh, regardez-moi ça! Michel est niveau 2. C'est un sapin niveau 2. Voilà. Incroyable! On a un vrai sapin de Noël. Oh putain, il est cool, hein. Là, il est pas mal, hein. Faudrait peut-être que je le descende. Ce serait peut-être pas mal que je le descende. Je lui trouverais peut-être une autre place, je ne sais pas. Merci beaucoup, merci. Rends l'argent. Je peux pas, une fois que vous avez donné, c'est fini. Je ne veux plus rendre l'argent. Eh, est-ce que ça, c'est pas de l'argent vachement bien dépensé? Est-ce que là, vous n'êtes pas content d'avoir donné votre petit prime de ce mois-ci, là? Ah, merci beaucoup, Céon, en tout cas. Salut, Ravidas. Bon, alors, du coup, ce soir, bistrot papotage. Alors, j'ai rien fait aujourd'hui. Je devais travailler, je devais faire des trucs. Mais j'étais complètement fatigué de fou. Alors, du coup, j'ai rien fait. J'ai joué aux jeux vidéo. J'ai acheté un jeu. Ouais, c'est un peu comme celui que je jouais avant, là. C'était Vampire Survivor. C'est dans le même style. Il est super bien. J'ai joué à ça toute la journée. Voilà. Donc, on réfléchit pas. On tue plein de monstres. Et c'est super fun. Rends l'argent. Non, mais vous dites ça parce que j'ai pas encore mis les boules. Dès que j'aurai mis les boules. Vous inquiétez pas, vous serez rassuré. Vous verrez que votre argent a été bien dépensé. Et donc du coup, bah, ce soir, pas de pindouille. Ce soir, on va parler de trucs. On avait fait un épisode la dernière fois, rappelez-vous, dans ce style. C'était sur devenir peintre professionnel de figurines. Là, ça va être ce soir quelques conseils que je peux vous donner pour apprendre à peindre, pour devenir un meilleur peintre, en quelque sorte. Même si, évidemment, c'est que des conseils, ce sont les miens. Peut-être qu'un autre peintre vous donnera d'autres conseils. Peut-être que vous êtes, y a des trucs sur lesquels vous serez moins chaud, plus chaud. J'arrive pas à me mettre bien là. Donc voilà, je vous donnerai mon avis. Gardez bien en tête que ça n'est que mon avis. Ça n'engage que moi. Peut-être que ça vous aidera, je l'espère. Envoie la chaise. Jamais. C'est ma chaise là. Ah oh. C'est, je l'ai. Éventuellement Michel le sapin, je veux bien m'en séparer, mais pas la chaise. Il fait le blending. Je blende jamais. c'était pas une blague de devenir peintre professionnel. Non, j'avais fait vraiment une vidéo et tout. Je l'ai mis sur YouTube. Ça a duré pas mal de temps. 3 heures, je crois. Le lien du Patreon. Donnez l'argent, voilà. Vous avez le lien Patreon. Si vous avez trop d'argent, vous pouvez le donner, mesdames et messieurs. Voilà, ça me dérange pas. Mais du coup, on va faire ça ce soir. Alors, j'ai divisé cette discussion, ce petit truc en 3 parties. Avant de peindre, pendant qu'on peint et après qu'on peint. Voilà. J'ai bien travaillé, hein. J'ai fait un plan. Il est plutôt cool, je suis content. Il y aura sûrement d'autres choses à dire, mais j'ai essayé de balayer le plus large possible. Au pire, on fera un épisode 2 s'il y a encore des trucs qui manquent. Hein. On pourra faire ça. C'était un titre clickbait pour rire, j'ai pas regardé. Non, c'est vrai. Mais je fais jamais, moi, de titre de clickbait, de trucs de l'arnaque. Je crois pas que j'en ai jamais fait. Peut-être un jour. Ah si, j'en ai fait un sur YouTube. J'ai dit le colis mystère. J'ai suivi une rediff d'un de tes streams YouTube où j'ai peint la même figue Dark Souls que toi. C'était super cool. Ah oui, c'était pas l'espèce de... Je sais plus comment il s'appelle. Celle qui a une épée enflammée là. Ça devait être celle-là, je pense. Donc voilà. Je vais démarrer l'enregistrement YouTube. Je la remettrai évidemment sur YouTube gratos parce que c'est pas une vidéo de peinture. Donc du coup, on va essayer de faire ça bien, proprement. Salut Rouf. Tu connais bien le Gyrio? Non mais je fais pas ça, je fais pas des titres chelous, des trucs bizarres. Il n'y a pas d'arnaque, je fais des vrais trucs à chaque fois, je vous promets. Il y a juste peut-être le sapin. Peut-être lui c'est une petite arnaque.
Mais sinon, non, sinon on fait les choses bien. Merci beaucoup, le rouge. Merci infiniment pour ton 10e mois. C'est gentil comme tout. C'est gentil. Bah là, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Hein. On est au mois de décembre. Ça doit faire 1 an et 2 mois, quelque chose comme ça. Ou 1 an et 1 mois, je ne sais plus. Déjà. Monsieur est intègre. Bah pas surtout, tu vois, quand il s'agit d'encaisser, il y a toujours une petite condition comme quoi je vous rendrai jamais l'argent. Mais sinon, après, pour les titres, je fais attention. Voilà. Il faut avoir des principes dans la vie. Bon, on va commencer parce que mine de rien, c'est assez long. Évidemment, vous pourrez m'interrompre s'il y a des trucs qui sont pas clairs, si vous avez des questions et tout ça. Mais je vais commencer tout de suite, hein, histoire de gagner un peu de temps. Alors, du coup, la première partie, c'est des trucs à réfléchir avant la peinture, avant même de commencer à faire sa palette, préparer son pinceau, genre vous n'avez pas commencé, et vous allez gamberger. Et la première question que vous devez vous poser, je pense, pour devenir un bon peintre, pour apprendre à peindre, c'est peut-être déjà pourquoi vous peignez. C'est une question un peu à la con, hein, en vrai, ça paraît un peu débile, mais c'est important de se la poser pour être bien clair avec soi-même, parce qu'il y a des gens qui vont peindre pour le plaisir de la peinture, juste, voilà, j'aime prendre mon petit pinceau et j'aime le poser sur la figurine, c'est trop bien. Mais il y a aussi des gens qui peignent parce qu'il y a de l'ego là-dedans, ils veulent devenir un bon peintre, ils veulent devenir un grand de ce monde, n'est-ce pas? Et ils ont choisi pour y parvenir de le faire au travers de la peinture. Après, il y en a, c'est pour le challenge, parce qu'ils aiment bien se dire « Ouais, c'est un truc difficile, donc on va se donner, et puis on va peut-être devenir bon, je sais pas. » Et puis enfin, il y en a aussi, c'est une forme d'accomplissement, quoi. Genre, quand t'as bien peint, quand tu deviens bon, bah t'as l'impression d'avoir fait un peu quelque chose de ta vie. Évidemment, il y a plein d'autres trucs, hein, il y a plein d'autres visions, mais c'est important, je pense, de se poser la question, déjà pour savoir si c'est une affaire d'ego ou pas. Et c'est pas une critique de ma part, hein. Vous pouvez avoir un ego dans la peinture. Vous pouvez vouloir devenir bon, devenir un grand, il n'y a pas de souci, mais il faut juste être très clair avec soi-même et se l'avouer, parce qu'en fonction de tout ça, il va y avoir des périodes de flottement, il va y avoir des difficultés selon votre état d'esprit et tout, et je pense que c'est important de se poser la question, rien que pour ça. Merci beaucoup Asdaka pour ton 3e mois, merci beaucoup. Je deviendrai le meilleur peinteur, mais il y en a, c'est ça. On rigole, mais il y en a, c'est ça, très clairement. Très clairement, il y en a, c'est en mode, je veux devenir le meilleur peintre, pas forcément le meilleur peintre, mais je veux devenir un bon peintre, je veux être un bon. Il y en a, c'est ça. Après, ça peut être dans la peinture, hein. Il y en a, c'est dans les jeux vidéo, il y en a, c'est sur Warhammer 40 000, il y a des gens qui mettent de l'ego sur des trucs comme ça, et moi, je suis pas là pour vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Je suis pas ultra fan des gens qui ont beaucoup d'ego en général, mais pourquoi pas, après, ça dépend. Un petit peu d'ego, ça fait du bien, ça pousse un peu. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige cette chose? C'est ça, Sigurd. Le pas parce que Jirio me fouette sinon. Ouais. Ça, c'est une bonne réponse, par exemple. Peindre pour pouvoir éclater les armées de mon pote. Ouais, dans ce cas, c'est plus la finalité de la peinture. Par exemple, dans le cas de Lucky Luke, qui dit « Je veux peindre pour éclater les armées de mes potes avec style. » Là, pourquoi il peint, lui, c'est la finalité. La peinture, c'est qu'une étape. La peinture en soi n'est pas la chose première. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir une armée terminée. C'est important de le savoir parce que quand c'est comme ça, tu sais que tu vas pas kiffer passer des heures et des heures sur tes figurines. Tu vas peut-être vouloir prendre des techniques rapides, simples et cool à faire. Donc c'est pour ça qu'il faut se poser la question. Si tu es dans une optique de devenir le meilleur peintre de tous les temps, tu vas peut-être justement pas trop peindre pour le jeu ou pour ton armée. Tu vas essayer plus de faire des figues de concours ou de faire des exercices de progression parce que tu veux devenir le meilleur. Donc à un moment, il va falloir taffer dans ce sens-là. Si au contraire, t'es vachement dans le jeu, bah plutôt des trucs simples et rapides, quoi. Donc c'est important de... Encore une fois. Je voudrais devenir bon, mais je suis jamais satisfait de ce que je fais. Bah ça t'inquiète pas, Paltar, c'est le cas de absolument tout le monde. Il y a très très peu de personnes qui sont en mode « Ouais, non, ça va, j'aime bien ce que je fais. » Bon, au mieux, les gens se disent « C'est pas trop mal. » Mais satisfait, tu le seras jamais. Parce que généralement, tu vois toujours au-delà de ce que tu sais faire. Pour toi, ce que tu sais faire, c'est normal. Il n'y a rien de fou. C'est ce que tu sais pas faire qui t'intéresse. Et c'est un bon moteur. Parce que ça veut dire que tu regardes vers l'avant. Mais après, ça peut aussi être un problème. Parce que si tu regardes trop vers l'avant, tu peux être découragé parfois. Vous pouvez pour l'argent et les femmes, arrêtez tout de suite. Je vais vous démontrer que c'est totalement faux. Voilà, évidemment, j'ai plein d'argent et j'ai plein de femmes. Heureusement, ma femme, elle est pas à côté d'ailleurs. Parce que j'ai pas le choix, Jirio prend pas les nouveaux patients. Eh oui, eh oui.
Mais bon, voilà. Donc déjà, vous posez ces questions-là, c'est important. Surtout si vous devenez un bon peintre. Il va falloir faire de l'introspection. Il faut s'imaginer que là, on va pas discuter de gens qui veulent apprendre à peindre des armées. On va parler de gens qui veulent devenir des bons peintres. Donc aller en concours, sortir parmi les plus belles figurines possibles. Et des fois, ça va être dur parce que c'est une discipline qui va se faire sur des années. Donc il y aura des moments un peu de doute, des moments un peu de calme, des très bons moments, hein, évidemment. Mais du coup, c'est pas au moment où t'es pas bien que t'as envie de te poser ces questions-là. Faut déjà régler ces problèmes le plus tôt possible. Notamment, tu sais que si t'as beaucoup d'ego, si tu vas en concours et que tu te fais éliminer rapidement, tu sais que ça va être dur pour ton mental. Donc, faut être préparé à ça un peu. Faut se dire, ok, je sais que quand moi, personnellement, j'ai un ego quand même assez élevé. Je suis quelqu'un de susceptible. Donc, quand je vais en concours, faut bien que je le garde en tête au moment du résultat. Il y aura des pauses de 5 ans. Si on veut être un bon peintre pour que son armée soit jolie, bah, c'est un peu différent. Moi, ouais, je le mets un petit peu à part. Après, il y a des choses que tu pourras prendre dedans, mais là, on parle quand même de plutôt de gens qui veulent pousser vraiment bien bien leur niveau de peinture. Dans tous les cas, quand tu apprends à peindre un très bon niveau, ça peut t'aider quand même pour de la peinture d'armée, parce que ça va répercuter sur des niveaux plus bas. Mais on va quand même plus parler de ça. Ah, Angry Painter n'a pas réussi à finir sa phrase. Ok, ceci étant fait... Un des trucs qu'il faut apprendre à faire aussi, comme toute discipline, ça c'est des trucs assez généralistes, c'est de se fixer des objectifs. C'est-à-dire que si jamais tu te fixes des objectifs trop hauts, par exemple, j'en entends parfois qui parlent des meilleurs peintres de tous les temps, ils vont citer « Ouais, Giraldès, t'as vu ce qu'il fait, c'est beaucoup trop fort. » Ou au contraire, je sais pas moi, même pas au contraire, ils vont encore citer d'autres peintres, genre « Celui-là, il peint trop bien, j'y arriverai jamais. » ils vont être abonnés à plein de comptes Instagram qu'avec des tueurs en peinture, des gros fifous. Ça peut être compliqué parce que là, tu te mets un objectif qui est beaucoup trop loin, beaucoup trop lointain, et t'es pas encore assez près de ça pour que ce soit un vrai objectif. C'est-à-dire que quand il est trop inatteignable, c'est au contraire d'être galvanisant, ça peut être très démotivant. Donc faut faire très attention à ça. Éviter de s'abonner à tous les meilleurs comptes Instagram de tous les temps, ça peut être une bonne chose, surtout si vous avez un moral... voilà, vous êtes souvent dans le doute, ça peut être une chose à éviter. Je peins pour me surpasser et avoir une belle armée, mais les deux objectifs sont opposés. Bon, pas forcément, tu peux essayer de progresser en peignant ton armée. Donc voilà, essayer de se fixer de bons objectifs, ne pas se fixer des objectifs trop hauts, et surtout c'est apprendre la philosophie des petits pas. Alors c'est un truc que tu trouves absolument partout. Salut Ina, merci beaucoup pour ton follow. La philosophie des petits pas, c'est apprendre à se fixer des objectifs à court terme, voire à moyen terme. Par exemple, je débute en peinture de figurines. Les 6 prochains mois, ce que j'ai envie d'apprendre à faire, c'est faire des beaux dégradés. Donc je vais me concentrer là-dessus pendant 6 mois. C'est pas un objectif qui est beaucoup trop élevé, c'est pas trop lointain. Je me dis pas je veux peindre comme Giraldès, je veux juste apprendre à faire de beaux dégradés. Ou alors je veux apprendre à peindre de la peau. Parce que pour l'instant la peau que je fais me plaît pas, donc les 6 prochains mois je vais me consacrer à peindre de la peau. Ça c'est des petits pas, c'est des petites choses qui sont atteignables. C'est des objectifs qui sont visibles. Et au quotidien c'est léger, mais on voit... l'avance de son travail. Et ça, c'est très important, parce que c'est ce qui fait que ça te relance dans ta pratique. J'ose pas peindre mes figues, j'ai peur de les rater. Ah, faudra qu'on en parle de ça. Le niveau est trop haut. Tu parles de la déco, c'est ça, de mon fameux sapin Michel, Mouflatteur. Giraldès, il fait de beaux dégradés. Bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire, en tout cas, j'espère. C'est que, voilà, des objectifs trop loin, c'est décourageant, il faut apprendre à se fixer des petits trucs. Ça peut même être tout petit. Par exemple, cette figurine-là me fait peur, mon objectif pour le mois prochain, c'est de la faire et de la terminer. Par exemple, pour Ina. Combien de peintres vivent de leur art en Europe en 2023? Alors ça, j'en sais rien du tout. Hein. Le best sapin, on est d'accord. Salut Komodo. J'avais un troisième point, je crois. Oui, la dernière chose c'était de se comparer avec ce qui est comparable. Ça revient un petit peu sur la première partie. C'est-à-dire que si vous voulez avoir vous stimuler en allant voir des choses sur le net, parce que c'est normal, vous allez en concours de peinture, vous allez vous abonner à des pages Instagram, il faut essayer si possible de vous abonner à des peintres de votre niveau aussi.
Je sais que déjà ça leur fera très plaisir parce que mine de rien il y a que les gros peintres qui suscitent beaucoup d'abonnements. Donc c'est toujours très cool d'avoir des gens qui s'abonnent à des comptes qui sont d'un niveau un peu moins élevé. Mais pour vous ce sera très utile parce que il est plus facile pour vous de voir des choses sur lesquelles vous allez pouvoir progresser, d'avoir des idées de travail sur des comptes qui sont un peu plus à votre niveau. Ça peut vous desservir totalement d'avoir je sais pas combien d'abonnements de gros peintres. Parce qu'en fait, c'est tellement lointain par rapport à votre pratique personnelle que ça va pas vous apporter grand-chose. Vous n'allez pas réussir à décrypter les figurines que vous allez voir, la peinture que vous allez voir. Du coup, vous allez juste vous extasier sur la peinture de ces gens-là. Et au final, ben, vous voyez que vous n'y arrivez pas. Vous êtes dégoûté et vous peignez pas. Et ça, c'est pas bien. Donc du coup, ça peut être vachement bien. S'abonner à des comptes, voilà, il y a un pote avec qui vous peignez régulièrement ou avec qui vous allez en concours. Ou si vous allez en concours, vous avez des gens dans votre catégorie, demandez-leur leur Instagram, abonnez-vous à leur compte, parce qu'ils auront des spécificités, des trucs qu'ils maîtrisent, et que vous non, vous allez pouvoir capter. Tout simplement. T'as un compte Insta. Oui, il a un compte Insta, mon frère. Il en a rien à foutre, mais il en a un. Je vous promets. N'allez pas voir The War Singer. Je sais même pas ce que c'est, The War Singer. Je veux dire, sur quels aspects on fait l'impasse? Perso, je fais l'impasse sur les couleurs et la saturation pendant 10 ans pour me concentrer sur tout le reste. Bah, ouais, je fais l'impasse sur la peinture, c'est mieux. Comme ça, je me concentre uniquement sur le montage des figurines, c'est mieux. Mais en tout cas, ouais, ça peut être une bonne idée. C'est un point sur lequel on discutera un petit peu après, et un petit peu anticipé, Franck. Donc voilà, abonnez-vous à des comptes à votre niveau, ça c'est une bonne chose. Des choses que vous pouvez comprendre, que vous pouvez décortiquer, c'est intéressant. Je m'éparpille trop. Ah oui, ça on va en parler aussi. Je suis concentré que sur le montage. La meilleure concentration. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Tac. Ensuite, là on va parler. On a vu pourquoi on se met à peindre, se fixer des objectifs. Et donc là, c'est se choisir des modèles. Alors déjà, vous pouvez prendre mon corps de rêve comme modèle si vous voulez. Ça c'est cadeau, c'est gratuit. Il n'y a pas de problème, abonnez-vous. Mais se choisir des modèles. Donc, encore une fois, on parle de s'inscrire sur des comptes Instagram ou Facebook ou ce que vous voulez pour suivre des peintres. Déjà, c'est essayer de réduire au maximum le nombre de comptes que vous suivez et des peintres qui vous plaisent. Il y a plein de peintres qui ont une approche extrêmement différente de la façon dont ils vont travailler, la philosophie de peinture. Déjà, vous avez vu, hein, y a la peinture à la Games et puis il y a le reste du monde. Mais après, même dans la peinture à la Games ou le reste du monde, il y a plein d'approches différentes, de façons de faire différentes. Si tu t'abonnes à plein de comptes qui te donnent des techniques, le problème, c'est que ça va partir dans tous les sens. Et au final, bah, y a presque des approches qui sont contradictoires. Et du coup, ça va plus être un frein qu'une aide. Donc il va falloir essayer de bien choisir les peintres que vous voulez. Pourquoi vous voulez ce peintre-là? Pourquoi vous le suivez spécifiquement? Est-ce que c'est pour sa technique de peinture? Est-ce que c'est pour le résultat? Si c'est le résultat, pourquoi spécifiquement celui-là et pas un autre? Genre, vous avez des comptes très différents comme Craftworks Studio qui base son travail vachement sur la couleur, un peu style impressionniste on va dire. Vous avez Giraldès qui est dans une approche un peu plus pétante, colorée, saturée, etc. Vous avez Richard Gray. C'est quand même plus pour le côté grimdark, etc., etc. Mais c'est important de ne pas commencer à suivre plein de comptes Instagram au début. Surtout au début. Après, par la suite, vous pourrez, c'est pas très grave. Parce que vous aurez du recul. Mais au tout début, essayez de restreindre au minimum. Et de vous y tenir. Vaut mieux étudier un seul peintre et l'étudier bien. Que de suivre plein de comptes et partir dans tous les sens. Ce sera beaucoup plus efficace. Parce que vous allez peut-être saisir un peu plus vite la logique du peintre à force d'appliquer ses techniques. Parce que vous allez retrouver évidemment un cheminement à chaque fois qu'il vous partage un truc, une façon de faire, une philosophie. Un miniaturista. Oui, j'ai vu des trucs, c'est très sympa, j'aime beaucoup ces vidéos. Elles sont super bien faites pour le coup. Donc voilà, au début vous pouvez évidemment aller fureter, vous faire une liste et puis les éliminer au fur et à mesure. Mais si vous voulez devenir un bon peintre, si vous voulez progresser, cet aspect d'aller chercher des gens, de vous abonner à des comptes Instagram, c'est une démarche qui doit être consciente. Vous ne devez pas juste vous abonner, tiens, je clique, c'est bon, je suis abonné, c'est cool. Ça doit vraiment être un truc conscientisé, avec une démarche derrière, je veux suivre ce peintre-là, parce que j'aime ce style-là, je veux comprendre cette logique, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est un peu comme quand tu te mets à la musique, hein, tu vas pas aller voir 36 profs de musique différents ou acheter 36 livres de musique différents. Tu achètes un ou deux bouquins, une méthode ou deux, tu vas voir un prof et tu taffes, tu taffes, tu taffes. Et peut-être avec le temps, tu iras voir d'autres gens, tu iras agrandir un peu ton cercle. Je pense que c'est comme ça, c'est plus efficace. Son côté expressionniste incroyable du cul. Très bien. Ah, bah, c'est les meilleurs mots, c'est la meilleure philosophie, monsieur. Bah, par exemple, monsieur Redfish, tu peux te dire, bah voilà, j'adore El Miniaturista. Je me restreins au maximum à ce gars-là, je suis son taf, voilà, je choisis quelques images, j'essaie de décortiquer la chose. Tu vois, je vais imprimer ou je sais pas, mettre en fond d'écran une de ces images pour régulièrement revenir dessus. C'est très important. Là, encore une fois, je vous parle de si vous voulez apprendre. Donc, il faut essayer de jouer sur tous les tableaux. Et même ça, c'est important. Tac, tac. Ensuite, le quatrième point. Là, on va entrer un petit peu plus dans le dur parce que là, pour l'instant, on parlait un peu d'aller prendre des inspirations. Vous n'êtes que des gros trolls, c'est terrible. Je m'attends toujours à, tu sais, à des vraies questions. Je me dis, ah, il va y avoir plein de questions. Non, il n'y a que du troll. Agrandir son cercle incroyable du cul. Ouais, mais il faut pas mettre ça dans la même phrase. C'est trop dangereux. Alors du coup, ouais, le numéro 4, c'est préparer et planifier. Ça, c'est un des trucs que les gens ils font le moins. Et je comprends pourquoi vous le faites pas, parce que c'est un peu chiant. C'est pas forcément le plus fun du monde de préparer et planifier. Mais là, on est dans l'optique d'apprendre le plus vite possible. Donc, je vais vous donner, selon moi, ce qui est le plus intéressant à faire, le plus méthodique et le plus efficace. Mais évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Alors, préparer, planifier, c'est quoi? C'est déjà se demander ce que vous voulez faire quand vous allez peindre. Est-ce que vous voulez peindre votre armée pour faire la bagarre? Est-ce que vous voulez peindre une figurine pour faire un concours? Ou est-ce que vous voulez vous exercer à la peinture? Et si possible, ça doit être le plus cloisonné possible, ces trois éléments-là. Est-ce que je peins pour mon armée? Est-ce que je peins pour un concours? Ou est-ce que je fais un exercice? Plus vous allez cloisonner ces différents types de peintures, plus ça va être efficace pour vous. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Tu fais face à des débiles. Mais ils sont pas débiles parce qu'ils sont malins dans le troll, quoi. C'est ça qui est difficile. Alors, pourquoi on veut séparer? Parce que quand tu fais une armée, l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible et d'obtenir éventuellement le rapport temps-peinture le plus efficace possible. Tu ne veux pas forcément faire le mieux. Tu vas pas faire de l'overkill sur ton armée parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire ça. Même un gars qui peint trop bien, etc. On va pas passer, je sais pas moi, 10 heures par figurine. C'est difficile à concevoir. Peut-être qu'il y en a qui le feront, mais la plupart des gens, vous ne le ferez pas. Du coup, c'est pas la bonne idée si jamais vous êtes dans l'optique d'apprendre de faire une armée. Si vous faites une figurine de concours, vous n'êtes pas là pour apprendre à peindre. Vous êtes là pour sortir le meilleur de ce que vous savez faire, pour essayer d'obtenir la meilleure place possible. Et en même temps, parce que si vous avez des retours sur votre figurine en concours, vous voulez qu'on vous fasse des retours sur ce que vous savez faire, pas sur ce que vous avez fait. Genre, si vous vous lancez sur un truc que vous ne maîtrisez pas en concours, on va vous dire, ah bah ce truc-là, c'est pas maîtrisé, vous le savez. Vous voulez qu'on vous fasse des retours sur les trucs que vous semblez maîtriser. C'est ça le plus efficace. Et ensuite, quand vous voulez apprendre, vous voulez pas vous lancer sur une figue de concours parce que sinon vous n'allez pas expérimenter des trucs de ouf parce que vous voulez un résultat. Vous n'allez pas expérimenter sur votre armée parce que vous voulez aller vite. Vous voulez que ce soit expédié un meilleur rapport temps-peinture possible. Donc quand vous faites un travail de la peinture pour vous exercer, il faut prendre une figurine qui n'a pas d'enjeu. C'est ni une figue de concours, ni une figue que vous voulez jouer. C'est un truc que vous pouvez mettre à la poubelle une fois que vous l'avez peint, il n'y a pas de problème. Et plus vous allez cloisonner ces différents aspects de la peinture, plus ça va être efficace pour vous. Innover aussi, avoir les retours d'un jeu sur un premier essai, c'est intéressant. Oui, ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Moi, je vous donne le côté, on va dire, le plus extrême, quoi. C'était pas une bonne idée. Bah peut-être pas, parce que peut-être que t'as mélangé à la fois le fait que ah bon bah c'est une figue de jeu, donc faut que ça rentre dans le schéma de mon armée. Puis en même temps, faut que j'ai envie d'apprendre des trucs, donc je vais tester des trucs sur mon prince démon, tu vois, pour qu'il soit joli. Et en même temps, faut que le résultat soit cool parce que c'est une figue de concours. Donc,
c'est peut-être pas le plus optimal, le plus efficace. Les imprimantes 3D, ouais, c'est pas mal. Puis après, bon, en général, c'est pas les sites qui manquent. Hein. Les gens, ils ont des piles de la honte. Hein. Exactement, Rouf, tu peux le mettre à la poubelle. Mais ça, c'est le plus intéressant. Parce qu'encore une fois, des fois, il y en a qui, parmi vous, qui disent « Ouais, j'ai du mal à décomplexifier un peu la peinture. » Ou justement, ils kiffent venir sur cette chaîne-là parce qu'il y a un côté très lâcher-prise. Et le lâcher-prise, si vous l'avez pas, c'est peut-être parce que vous avez de l'enjeu sur ce que vous peignez. Si la figurine, vous savez qu'à la fin, vous n'en faites rien, vous pouvez prendre une brosse à dents et frotter dessus. Peindre avec une godasse, il n'y a pas de sujet, c'est pas un problème. Donc ça peut être une bonne idée. Pas pour être mise à la poubelle. C'est pas la poubelle, la pile de lente ? C'est pas la même chose ? J'ai loupé un épisode. Tac tac. Ensuite, toujours pour la planification, il faut s'imaginer que la vie est courte et le temps est précieux. Donc c'est bien aussi d'avoir ce côté cloisonné parce que vous avez envie de faire un planning, vous avez envie de savoir combien d'heures vous allez accorder à la peinture par semaine ou par mois, je ne sais pas. Et du coup, ben, surtout si vous avez peu de temps, vous voulez optimiser le temps que vous passez sur la peinture, pas faire des conneries, à on va dire expérimenter sur votre figurine d'Angron pendant des heures et des heures et puis vous rendre compte qu'au final le schéma de couleur vous plaît pas. Vous auriez peut-être été plus vite à faire un truc simple et efficace et essayer d'expérimenter sur une autre figurine. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est bien pour moi de se dire combien j'ai d'heures de travail par semaine et qu'est-ce que je fais ? C'est-à-dire le lundi, c'est expérimentation-exercice. Le mardi, c'est peinture d'armée parce qu'on s'en fout. Et le mercredi, c'est peinture de concours. Et aussi parce que vous imaginez bien, quand tu fais de la peinture d'armée, là, moi je peins mon Astra Militarum, j'ai pas besoin d'être au top de la forme parce que mon schéma de couleur, je le connais. C'est du barbouillage, j'en ai peint plein. Maintenant, je commence à être rodé. J'ai pas besoin d'être en grande forme. Par contre, si je fais de la figurine de concours, c'est l'inverse. J'ai besoin d'être calme, d'être reposé parce que là, je vais faire des trucs, je veux que ce soit tip top. Donc, il faut que je sois en forme. Voilà, je vais pas faire une méga teuf la veille, etc. Donc, c'est bien d'essayer, si possible. Et je sais que c'est pas facile, mais ça peut vous aider d'essayer de cloisonner ces choses-là et de les planifier histoire de pas faire n'importe quoi. Jirio Takamoto. Jirio Bonomo. Bonobo. Non, Bonobo, ça le fait pas. C'était quoi ? Le Bomodo, voilà. C'est grâce à Musashi qui connaît pas la pile de la honte. J'ai une petite pile de la honte, hein. J'en ai une petite. Peindre sobre. Voilà, bah pas bourré par exemple. Peindre bourré, ça marche pas très bien. Donc, petite organisation. Tac, tac, tac. Ça, j'ai dit, je dois être en forme pour l'exercice ou les concours. Et si je suis fatigué, je pars en peinture plaisir. C'est bien aussi, voilà. Là, je vous ai parlé de planifier. Mais ça peut être tout simplement, tiens, là, ce lundi soir, je vais pendouiller. Est-ce que je suis en forme ou pas ? Si je suis en forme, je peux sortir ma figue de concours que je prépare pour le mondial ou pour le Golden Demon, je sais pas quoi. Si je le suis pas, bah, je prends ma figurine d'armée et puis je fais des figurines d'armée. J'ai envie de peindre, mais je suis pas assez en forme pour faire des trucs compliqués. Donc ça peut être bien aussi, tout simplement, de se poser la question. Salut Loïc ! Et j'en ai une petite. Aïe, aïe, aïe ! Vous êtes trop fort pour moi. Expérimentation du lundi, c'est pas de bourré. Ah putain. Ah, c'est dommage, on peut pas faire ça en stream, hein, mais ça serait rigolo. Ça serait rigolo. On n'a pas le droit d'être en état d'ivresse sur le streaming. C'est dommage. Ensuite, alors le numéro 5. Ça, c'est un truc qui est assez important. C'est d'apprendre le vocabulaire. Apprendre le vocabulaire. J'insiste là-dessus parce que on s'en rend compte plein de fois. Et il y a plein de gens qui te disent « Oui, ouais, non, non, mais si, je connais, je connais. » Puis après, quand tu commences à leur donner des conseils, à leur parler un petit peu de... Je baisse un tout petit peu le micro, il sature un peu. Commence à leur parler de leur figurine. Tu leur dis « Voilà, t'as un problème de valeur. Ah, les couleurs, elles sont pas assez vives. » Et là, tu te dis « Ah, d'accord. » Et c'est un problème parce qu'il va falloir qu'on vous réexplique tout. Et même si on vous réexplique sur le moment. Donc, c'est même pas sûr que vous ayez bien saisi la chose. Et puis, en plus de ça, avant la peinture, avant de démarrer votre figurine, ou quand vous allez faire l'analyse d'une figurine de quelqu'un, si vous n'avez pas ce mot de vocabulaire dans la tête, vous n'allez pas pouvoir faire l'analyse correctement.
Parce que en fait, on réfléchit à partir des mots. C'est pas on pense et on utilise des mots pour formuler ses pensées, c'est l'inverse. Donc si vous n'avez pas les mots de vocabulaire, vous pouvez pas penser correctement la peinture et donc vous pouvez pas comprendre ce qui se passe. Et même vous avez l'impression, vous allez avoir une vague idée de ce que c'est la saturation, une vague idée de ce que c'est la valeur, ça suffit pas. Parce que si vous voulez devenir un bon peintre, ces choses-là, ça doit même pas être par cœur, ça doit être tellement intégré, ça doit tellement être maîtrisé que vous n'y réfléchissez même pas. Pour vous, ça doit devenir un mot comme bleu. Voilà, le bleu, je sais ce que c'est. Et ben la valeur, je sais ce que c'est. Et ça, c'est, on ne peut pas échapper à ce truc-là. C'est obligatoire. Je suis désolé, va falloir faire vos devoirs. Le PPT de Nico. C'est quoi le PPT? L'important, c'est le bleu. Il n'y en a pas beaucoup des mots de vocabulaire à connaître. Le contraste, les différents types de contraste, valeur, saturation, etc. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans des trucs compliqués sur les longueurs d'onde de l'espace, de trucs de lumière, ça on s'en fout. Vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire de la peinture et les écoles classiques au début. Après, il faudra. Mais au début, c'est pas la peine. Mais le vocabulaire, il faut vraiment l'apprendre par cœur. C'est important et c'est même pas important, ça n'est pas négociable. Si vous voulez devenir bon en peinture, c'est un impondérable, il faut passer par là. Le vocabulaire du PPT, c'est quoi ça? Valeur, ça veut dire quelque chose, mais ça veut pas dire la même chose pour tout le monde. Je suis sûr que tu as des peintres de renom qui n'auront pas la même définition de valeur. Bah, s'ils ont pas la même définition, c'est que... bon, moi, je vous dis pas que je connais le truc par cœur, mais il n'y a pas des définitions de valeur. Il y en a une en peinture. Saturation, il y a une définition de la saturation en peinture. Il y a des mots de vocabulaire qui sont propres à ce média, et on est censé être tous d'accord là-dessus. Et si quelqu'un... c'est pour ça que vous devez aller vérifier à la source, d'ailleurs. Vous avez plein de bouquins, vous avez Wikipédia et tout. Mais non, il n'y a pas plusieurs définitions de ce que c'est la valeur, la saturation, le contraste. Je dirais juste qu'il y a un petit abus de langage. Quand on parle de contraste dans l'art pictural, par définition, on parle de contraste de valeur. Mais en vrai, on devrait préciser, parce qu'il y a plein de types de contraste. Sinon, après le reste, non, il y a une définition. Il a oublié PPT. Je sais pas ce que c'est le PPT. Oh non, pas le RIDA. Non, c'est bon, allez, je lis pas ça. Je lis pas. Après, en tout cas, une fois que vous avez fait ça, que vous avez appris les mots de vocabulaire, vous les connaissez, vous les avez intégrés, vous les avez fait vôtres, ils sont rangés à l'intérieur de votre cerveau. Avec le temps, il faudra aussi faire une petite veille, une veille comme dans tous les métiers. Donc, au bout d'un moment, il faudra être curieux, peut-être aller voir ce que c'est que la peinture flamande, aller voir ce que c'est que l'impressionnisme, aller voir tout un tas de choses. Et varier dans l'ordre que vous voulez, peu importe, tout simplement parce que ça va vous enrichir, c'est de la culture, mais ça va aussi s'appliquer dans votre peinture, c'est des choses que vous allez pouvoir vous approprier. Au début, c'est pas la peine, hein. Je veux dire, il y a des gens qui ont une culture de l'art extrêmement développée, bien plus que moi, que j'ai eu en cours, mais ça leur sert à rien pour l'instant parce qu'ils ont pas encore assez d'expérience, de notions dans la peinture pour pouvoir faire le lien entre leurs connaissances et la peinture de figurines. Donc c'est pas la peine tout de suite d'acheter un méga bouquin de l'art, etc. C'est pas la peine. Regarde un documentaire sur YouTube, ça suffit, si ça te fait plaisir, mais c'est pas ça qui va te faire progresser. Je fais de la veille en regardant les Insta des meilleurs peintres de figues. Arrêtez là, concentrez-vous un peu. Envie de pisser, bah pisse dans une bouteille. On est là pour apprendre à peindre, ok? On n'a pas le temps. PPT, c'est .ppt, l'extension des fichiers PowerPoint. Et un PowerPoint de Nico? Ah oui, celui du bootcamp. Je sais même pas s'il avait fait des trucs de vocabulaire. Je me souviens plus. Salut Algarod. Donc voilà, vocabulaire. C'est malheureusement indiscutable. Vous devez le connaître par cœur, absolument. Mais, attention, petite parenthèse, parce qu'il y a plein de gens qui, malheureusement, font un petit peu la confusion et qui vont commencer à réfléchir leur peinture au travers de la théorie et le vocabulaire. La théorie, je vous donne une petite définition de théorie. Alors, c'est sur Wikipédia, c'est pas moi. La théorie, ensemble organisé d'idées, de concepts abstraits, appliqué à un domaine particulier, ou bien système formé d'hypothèses, de connaissances vérifiées et de règles logiques. Pourquoi je vous donne cette définition sur un air tout à fait scolaire? Parce que ça n'est pas là, c'est un modèle, ça n'est pas là pour vous dire comment vous devez peindre, c'est juste là pour poser un cadre.
Des fois, malheureusement, j'entends pourquoi t'as peint le pantalon en vert, ça pourrait être cool de faire le t-shirt en rouge pour ajouter la complémentaire. Pourquoi pas, mais on s'en fout en fait. C'est pas fait pour ça la théorie. La théorie, principalement, elle est là pour t'aider à décrypter les images, à essayer de mettre du sens sur ce que tu vois. Donc, pourquoi cette peinture fonctionne ? Peut-être parce que il a fait le t-shirt en vert et le pantalon en rouge et que c'est la complémentaire. Mais c'est pas là pour t'imposer de le faire. C'est juste pour te faire comprendre pourquoi ça te plaît. Pourquoi, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme autre théorie ? Quand on mélange deux couleurs complémentaires, ça fait du gris. Ok ? C'est pas comme ça qu'on fait du gris. On peut aussi acheter un pot de gris. On peut mélanger du noir et du blanc. Personne t'oblige à mélanger tes couleurs complémentaires pour faire du gris. Donc, il faut faire attention à ça, à ne pas s'embrouiller avec la théorie. Ça n'a jamais été là pour vous dicter une façon de peindre. C'est un cadre. Et dans le cadre de la théorie, il vous reste encore beaucoup d'espace pour faire des choix. Et en gros, c'est juste pour vous poser les limites, pour pas faire du hors-piste, mais vous n'êtes pas obligé de suivre les contours du cadre comme à un bon petit élève. Vous avez le droit à l'intérieur de négocier des virages et tout. Je regardais le calendrier de l'avant pour Planet Wargame. Ah, mais oui, les petites vidéos qu'il fait, elles sont très sympas. Un gris chromatique, j'en sais absolument rien, Vestial. Je me suis même pas posé la question. Merci Elgaroth pour ton troisième bois, merci beaucoup. Je sais pas. Pour le coup, t'as plusieurs façons d'obtenir, en tout cas. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc de théorie dont on pourrait parler Je sais pas s'il y en a d'autres. Il y en a pas tant que ça, hein, de la théorie dans la peinture. Il y a des critiques qui vous font de la théorie sur des courants artistiques, des choses comme ça, mais en soi, vous avez pas beaucoup de bouquins là-dessus, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a peut-être un ou deux livres à lire au maximum. J'ai vu ton MP au Tatsu, mais pour le coup, j'ai pas encore répondu. Ça aurait pu te plaire ? Comment donc ? La théorie peut aussi s'enrichir d'une démarche empirique. Tout à fait, des fois il y a des choses, comme il dit Beckbenzen, c'est une très bonne remarque, il y a des trucs, peut-être, que vous allez lire en théorie de peinture, dans l'art pictural, que vous avez déjà capté de votre côté. Vous avez déjà constaté, vous avez peut-être déjà capté comment fonctionnent les couleurs primaires sans avoir eu besoin d'ouvrir un bouquin et de... Voilà, de le comparer, votre cercle chromatique, et de le faire dans votre palette. Vous avez peut-être déjà compris ça avant même d'ouvrir un bouquin. Je sais pas, moi, il y a peut-être des choses... dans la peinture classique, par exemple, il y a peut-être des choses que vous avez déjà captées, vous n'aviez pas mis de mots dessus. Et il y a des gens qui redécouvrent des fois des choses qui existent déjà. L'avantage quand tu fais de l'histoire de l'art, c'est que ça t'évite de réinventer la poudre. Tout comme quand tu vas suivre un peintre et que tu vas apprendre ce qu'il fait, ça t'évite de perdre du temps à redécouvrir, à re-expérimenter des choses qui ont déjà été résolues quelque part. Merci beaucoup pour ton troisième mois, Druelex. Ah non, j'ai pas vu la dernière. Moi, j'ai vu juste une vidéo de son calendrier de l'Avent. C'était... comment ça s'appelle ? Je sais même plus le nom de la vidéo. Et là, c'est dans la dernière vidéo qu'il a fait, c'est ça ? Faut que j'aille voir ça. Salut Annie Croche. Nous redonner le nom du bouquin du monsieur de la peinture, bien sûr. Voilà. Johannes Itten, Art de la couleur. Voilà. C'est un bouquin qu'on trouve assez facilement, que j'avais payé 19€. Il est assez simple à lire, à part que vous aurez peut-être besoin d'avoir un téléphone à côté, parce qu'il fait beaucoup de références à des artistes, et si vous avez une culture picturale du néant, bah ça va pas vous parler, donc vous aurez besoin de faire des petites recherches. Je sais pas, moi peut-être à un moment il parlera de Rembrandt, ou j'en sais rien moi, de Léonard, un truc comme ça. Et c'est un bouquin sur lequel vous revoyez quasiment absolument tout. Donc moi, je vous fais des trucs là-dessus sur Patreon. Mais tous les peintres qui vous parlent en vidéo de théorie des couleurs, machin, de la théorie des couleurs, je déteste cette expression. Tout ça, ça vient de là. Donc si vous voulez la source, elle est là. Évidemment, il y en a d'autres. Il n'y a pas que celui-là. Mais celui-là, il est très connu. Donc du coup, vous avez à peu près tout dedans. Et avant d'avoir fait le tour de ce bouquin et d'avoir tout saisi ce qu'il y a à l'intérieur, vous en avez pour des années. Moi, il y a des trucs que j'ai toujours pas bien compris, j'ai pas bien assimilé, parce que c'est très très long. Et c'était quelqu'un de particulièrement doué, ce monsieur. Donc du coup, c'est très intéressant. C'est une bible qu'on devrait avoir sur son chevet pour absolument tous ceux qui ont envie de peindre, que ce soit sur toile ou sur peinture de figurines. C'est très sympa, voilà. Ça peut calmer un peu, mais... C'est écrit en gros et il y a des images. Donc normalement ça passe.
Faut lire quel livre? Ouais, j'en ai pas lu tant que ça, moi, des bouquins. Je vous ai dit, hein, moi, il y en a deux. Il y a celui-là. Et si vous êtes pas anglophobe... Allez, il y en a trois. Si vous êtes pas anglophobe, le meilleur, tout le monde le conseille, c'est celui-là, Color and Light. Je vous le redonne, de James Gurney. Voilà, c'est juste exceptionnel. Vous avez absolument tout. Vous avez absolument tout. Vous avez même des trucs sur la perspective. Alors nous, on s'en fout un peu, a priori, mais pas tout à fait, parce qu'on fait des fonds, parfois, pour les figurines. Mais vous avez absolument tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est super bien expliqué. J'en ai toujours pas fait le tour. Il y a des choses qui sont très compliquées. Il y a des choses qui le sont moins. J'imagine que ça dépend de votre aisance et puis de votre cerveau. Moi, j'ai un petit cerveau, donc ça marche pas toujours. Mais ça, c'est un très, très, très bon livre. Excellent, je vous le conseille. C'est des bouquins, il faut pas les lire d'une traite, ça sert à rien. C'est pas genre je me le fais en une soirée, j'enchaîne le bouquin et je le lis. C'est des bouquins que vous allez avoir à côté de vous et que vous allez consulter quand vous allez faire un exercice. Exemple, j'en sais rien moi, je veux travailler, voilà, la nuit. Je veux travailler une ambiance de nuit. Vous avez Street Lights and Night Conditions. Waouh ! Du coup, je vais sortir mon bouquin, je vais dire qu'est-ce qu'il dit, monsieur ? C'est vachement intéressant. Je lis ça, je... j'essaie de comprendre ce qu'il y a marqué dessus, voilà. Et puis, je l'applique. Ça va vachement me servir dans mon exercice pour la peinture de nuit. Si vous le lisez d'une traite, genre tu le mets à côté de ton chevet et puis tu t'enchaînes le bouquin, voilà, putain, j'ai tout lu, ça sert à rien. Il y a tellement d'informations, c'est tellement dense que pff, tu vas rien en faire. Donc ça, c'est un bouquin à voir à côté de soi. Et puis éventuellement, le troisième, il est un petit peu vieux, mais... si vous êtes français et que vous préférez un bouquin de figurines, celui-là, le Figopédia, il n'y en a qu'un. C'est marqué numéro 1, mais je crois qu'il n'y en a qu'un. Il est très bien. Ça commence à vieillir un peu, mais vous avez toujours des choses très intéressantes sur la gestion des lumières, les volumes. Donc, c'est pareil. C'est pas la peine de le lire d'une traite en mode « Ah là là, je me tape le soir avant d'aller dormir !» Mais plutôt, bah peut-être que là, je vais commencer à faire... bah tiens, je vais faire un exercice sur le travail des volumes. Je lis cette petite partie et ensuite je l'applique. J'ai une figurine test et let's go. On se l'enchaîne, on le fait juste après. Et une fois que j'ai fait ma figurine, je regarde, je relis. Et c'est comme ça qu'on assimile les informations. Avant d'aller dormir, ça sert à rien si tu l'appliques pas ce qu'il y a dans le bouquin. Bon, vous pouvez, si ça vous fait plaisir et tout, vous pouvez. Mais en tout cas, si c'est dans l'optique d'apprendre, il faut le faire dans le cadre du travail. Il faut que ce soit... colorez-les au travail. Il faut que ça rentre dans une démarche intellectuelle. Si c'est juste pour le lire et le feuilleter, pour le plaisir de le feuilleter, ça va pas vous apporter grand-chose. Le grand livre de la peinture sur figurine, moi je trouve personnellement, c'est que mon avis, mais que c'est trop vieux. Là, c'est vraiment à l'ancienne. Pour le coup, dans le style, moi je vous conseille infiniment plus celui-là, plus facile à trouver, beaucoup plus intéressant. Mais c'est que mon avis. Si tu pars dans ton sommeil, possible. Tout à fait possible. C'est là que vous êtes beaucoup trop fort. Salut Forkel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça c'est bon. On va pouvoir attaquer la partie sur la peinture. Donc, j'aurais qu'à pépette vite fait avant d'attaquer sur la peinture. C'est important de se poser la question de pourquoi vous peignez, histoire de savoir ce qui vous motive et ce qui peut vous faire du mal. Parce qu'il s'agit quand même... Je sais que ça fait pas sérieux, on n'est pas sérieux sur cette chaîne, on rigole beaucoup et tout... Mais il y a des gens parmi vous peut-être qui mettent beaucoup d'eux-mêmes dans la peinture, que ce soit par rapport aux résultats. C'est-à-dire peut-être vous avez un boulot de merde, et je suis désolé pour vous, et la peinture pour vous c'est important. C'est là-dedans que vous accomplissez. Si c'est votre cas, il faut en avoir conscience. Il faut être très honnête avec vous, c'est pas une honte, c'est bien. Mais pour le coup il faut savoir que vous allez être sensible. C'est-à-dire si on critique votre travail, vous savez que vous êtes sensible. Et vous savez pourquoi. Parce que pour vous c'est important. Et du coup, ne serait-ce que déjà de le conscientiser un peu, ça vous aidera. Au contraire, si vous peignez juste pour votre plaisir et qu'il n'y a pas d'enjeu, bah là, peut-être pour vous, la difficulté, ça va être de vous mettre des coups de pied aux fesses pour pouvoir progresser. Parce que comme il n'y a pas d'enjeu, vous n'allez peut-être pas peaufiner vos figurines, vous allez peut-être travailler avec une brosse à dents négligemment, je ne sais pas. Peut-être pas nettoyer votre aérographe comme il faut, on ne sait pas. Donc là, c'est pareil, vous avez des défauts. Mais c'est important de se demander pourquoi vous peignez. Très important. Ensuite, il y avait le deuxième point. C'était se fixer des objectifs, hein, donc pas des objectifs trop hauts, mettre des petits objectifs atteignables petit à petit.
Après, on avait choisir des modèles, donc bien choisir qui je vais être abonné sur Instagram. Je restreins au minimum des gens vraiment que j'ai envie d'apprendre à peindre comme eux ou qui ont une méthode de travail qui me correspond. Ensuite, préparer et planifier. Donc, est-ce que je vais peindre pour mon plaisir de jeu, pour du concours ou pour m'exercer ? Être très clair avec ça et en fonction de mon énergie, bien choisir ce que je vais faire, c'est important. Apprendre le vocabulaire, et oui, il va falloir faire ses devoirs. Et enfin, la théorie, c'est bien, mais ça doit pas définir. Et c'est pas ça qui va faire de vous un bon peintre. Hein. C'est pas parce que vous connaissez des trucs en théorie ou je sais pas quoi, vous avez lu des livres, que vous êtes un bon peintre. Pour savoir peindre, il faut peindre. Salut David ! Putain, je connaissais pas cette expression, une mousse blanche et sans faux col. C'est stylé. C'est un truc de vieux. Putain, faut que j'appelle mon livre comme ça. Le grand livre de rien à foutre, on va l'appeler comme ça. Ce sera le meilleur livre. Celui que tout le monde veut avoir. Donc là, on va attaquer la partie où ça y est. Vous avez commencé à faire un petit peu cette démarche-là. Vous avez appliqué ce qui vous intéresse. Vous n'appliquez pas ce qui vous intéresse pas. Là, on va attaquer la partie peinture. Je vais vous donner des conseils à appliquer pendant la peinture. Des trucs qui vont être importants à faire pendant que vous peignez. Le livre de rien à foutre, le grand livre de rien à foutre. Ce sera pas le livre, ce sera le grand livre de rien à foutre. Salut Togasha. Donc, pendant la peinture, 2-3 trucs, il va y avoir beaucoup de choses, c'est du bon sens. Vous êtes probablement déjà au courant, mais c'est toujours bien d'avoir des petits rappels. Et en plus, des fois, on le sait, mais on le fait pas quand même. Et on oublie à quel point c'est important. On va commencer avec un truc tout bête, c'est choyer son environnement de travail. Tout simplement, avoir de l'espace, ne pas travailler dans le froid, avoir une chaise confortable de qualité supérieure payée avec de la Twitch Money par exemple. Ça peut être avoir une bonne lumière, ne pas avoir du bruit à l'extérieur en permanence, ne pas pouvoir être dérangé toutes les 5 minutes. Avoir rangé son atelier parce que ça c'est important, plus votre atelier est propre, plus votre esprit il est propre, ça influe directement sur votre travail. Donc il faut choyer son environnement, c'est important. Une couverture sur votre... on est vraiment sur un stream de vue hein. Quand on entend parler de couverture, c'est que là il faut le même fauteuil avec motif pour adultes. C'est pas un fauteuil sexuel, je vois pas de quoi tu parles. Tu l'avais pas vu, Wazdaka ? Attends. Attends. Regarde ça. Waouh ! Il est doré ! Incroyable. Ne pas avoir d'enfant. Je vais me couler un pisser bémé. Eh ben bon, pisser bémé. Mon aéro est au sous-sol, 6 degrés en hiver. Eh ben voilà. C'est important, surtout quand vous allez, encore une fois, tu fais de la peinture plaisir, c'est juste pour avoir une armée, on s'en fout du résultat, il n'y a pas de... Je me prends pas la tête, c'est pas grave. Mais si vous voulez faire du concours à un haut niveau, vous voulez atteindre un haut niveau de peinture, c'est important. L'environnement de travail, c'est très important, ne serait-ce que pour avoir envie d'y aller. Parce que si ton appartement il est dégueulasse avec des morceaux de jambon de kebab plein ton atelier, t'as peut-être pas envie d'y aller, tu vois. Alors que si c'est tout propre... Avec une petite table aux petits oignons, un siège aux petits oignons, peut-être t'as envie de dire « Ah, on est pas mal ici, tiens, j'ai envie de peindre. » Donc c'est important. Et puis, tout bête, ça c'est un truc très sérieux, mais quand vous peignez, des fois il y a des gens qui ont du mal à faire du lignage, des trucs précis. Et en même temps, quand je reçois ces gens à la maison en cours, bah des fois ils vont peindre, ils vont être comme ça. Mais je déconne pas, hein. À moitié tordu comme ça, avec une épaule déboîtée, tu sais, c'est dégueulasse, cette pose, elle ressemble à rien. Bien sûr que tu vas avoir mal au dos, tu vas avoir mal au cul, tu vas avoir mal partout. T'es tordu comme un string, Natacha. Il va falloir prendre une bonne posture de travail. Et ça, on l'oublie. Donc, des fois, c'est parce que ton bureau, c'est de la merde. C'est le bordel. Du coup, tu bosses sur le coin où t'as de la place. T'as un siège tout pourri. Et ça, c'est important parce que quand tu fais une figue de concours, des fois, tu vas être super concentré et tu vas même plus faire attention à ta posture. Donc, il faut que ton environnement soit tellement bon que naturellement, ta posture soit bonne. Et ça, c'est important. C'est très esthétique, le jambon sec sur la palette. C'est dégueulasse. Ah, kebab aux oignons ? Bon, salade tomate-oignon. Moi, je prends les complets. Hein. Les kebabs complets, c'est les meilleurs. Il y a des gens qui font le tri. Moi, j'ai pas de discrimination. Ni envers la salade, ni les tomates, ni les oignons. J'aime tout.
Donc voilà, ça c'est l'environnement. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'évacuer tout ce qui n'est pas nécessaire. Alors, la définition de nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. C'est-à-dire, je n'ai sur mon atelier que ce que j'ai besoin le plus souvent possible. S'il y a des trucs qui servent peu souvent, typiquement, j'en sais rien moi, des trucs pour faire des socles. Ça peut être, j'ai 10 pinceaux parce que j'en ai 9 d'avance. Bah, je vire les 9 qui me servent à rien. J'ai plein de peintures, mais en fait, je sais que je m'en sers que de la moitié, quoi. Il y a une bonne moitié, je m'en sers jamais. Et bah, ça dégage. Tout ce qui n'est pas nécessaire doit évacuer votre atelier, parce que plus vous avez de trucs, plus c'est le bordel sur votre atelier, parce que très vite, quand t'as plein de trucs, c'est vite le bordel, et plus c'est le bordel dans ta tête. Donc ça, c'est important aussi d'essayer de purifier au maximum son environnement de travail. Quand vous peignez, n'ayez les pots de peinture que ce que vous avez besoin sur le moment, pas 36 000 pots de trucs qui a servi la veille, etc. Il faut que ce soit le plus clean possible, le plus possible. Et plus ça l'est, plus vous serez clean dans votre tête. Je ne lirai pas ton message, Beloir. Salut Micro David, merci beaucoup pour ton follow et bienvenue. Les gens qui ont besoin de bordel pour s'y retrouver. Ça n'existe pas ça, Lucky Luke. Ça n'existe pas. Bah démerdez-vous. Je sais pas quoi vous dire moi. Voilà, le modèle actuel est posé sur mes pots de peinture et vu que je range rien, merci pour la culpabilisation. Ah oui, je suis pas là pour vous culpabiliser. Moi, je vous donne juste des conseils, c'est tout. Et vous en prenez, vous en laissez. Si c'est votre plaisir d'avoir votre petit bordel, que vous êtes bien avec, bah gardez-le, hein. C'est pas un problème. C'est juste que plus vous mettez ces conseils-là en place, plus ce sera efficace. Attention, je reprécise, c'est que mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord, peut-être vous avez une vision différente. Moi, je vous donne juste ma vision des choses. Mais vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Il y a des trucs sur lesquels vous allez faire des concessions. On n'est pas des moines bouddhistes, hein. Ça c'est clair. On n'est pas des Terminators. Ce qui n'est pas utile est inutile. C'est stylé ça. Le mec qui fait un live peinture sur un écran, c'est un mal nécessairement dans mon environnement peinture. C'est un mal nécessaire. Je sais pas de quoi te répondre. Joker. Je vois le bureau à Gériot parfois. Ah, c'est pas vrai. Quand je travaille, t'es venu travailler 2 mois. Moi, je me souviens. Il y a plein de fois où il sortait des trucs. Et je me rappelle d'une fois même, j'étais engueulé en mode non, non, arrête de tout sortir. Tu gardes que ce qui est nécessaire. Je m'en souviens très bien. J'ai le bordel dans plein de trucs, mais pas sur l'atelier quand je travaille. J'ai besoin de mon bordel pour travailler. Par contre, quand je mets 30 minutes à trouver le pot dont j'ai besoin, on entend moins la grande gueule. Ce qui est pas utile te rend plus fort. C'est pour ça que vous gardez une pile de la honte en fait. C'est parce que vous pensez que ça va vous rendre plus fort, c'est ça? La propreté dans l'environnement de travail. Ah là 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 là. Arrêtez, ça va. J'ai pas dit que... Je reprécise. On n'est pas des moines, d'accord? On n'est pas des Terminators. C'est rangé, mais mal. Ça passe. Non, bah écoutez, après, je sais pas, ça peut être ne serait-ce que déjà faire un petit effort. Mais le plus simple, quand c'est le bordel, c'est parce que souvent, t'as trop de trucs, tout simplement. Moins t'as de choses, moins ça va être le bordel. Parce que t'as moins de trucs à étaler, tout simplement. Donc c'est peut-être parce que vous gardez trop de trucs, vous avez trop de trucs qui servent à rien. Et du coup, bah c'est vite le bordel, tout simplement. Donc petite astuce, sortez les sacs poubelles et videz votre atelier. J'ai viré tout le matos de peinture dont j'ai pas besoin au quotidien et du coup j'ai plus rien. Putain. Aïe. Ah c'est terrible. Bon allez je continue. J'en étais où? Ah oui. Là on attaque une partie un peu plus compliquée. C'est je l'ai appelé choisir ses combats. J'aime bien celle-là. J'adore cette expression. Faut choisir ses combats dans la vie. Je m'explique. En gros, il y a des choses. Quand vous allez par exemple faire une figurine de jeu. Vous n'allez pas commencer à expérimenter et essayer de faire le plus bel OSL de votre vie ou essayer de faire le plus beau dégradé de votre vie. Ça, c'est pas la peine. Parce que c'est pour votre armée.
Par contre, il y a des fois, c'est l'inverse. Il y a des gens, ils font un exercice, ils sont en cours ou ils sont en stage. Je leur fais faire quelque chose de difficile. Et là, ils vont vite abandonner parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut se battre. C'est parce que vous n'y arrivez pas qu'il faut insister. Donc, il faut bien choisir les moments de quand c'est pas la peine, il n'y a pas de sujet, je peins, c'est pas parfait, on s'en fout. Des moments où, au contraire, il faut y aller. Notamment pour les figurines de concours, c'est important de se dire, c'est une figurine de concours, ça vaut le coup que je me batte. Ça vaut le coup que je passe du temps à peaufiner, à chercher mes erreurs et à comprendre. Mais surtout, quand vous avez conscience de, vous faites un exercice d'un truc que vous maîtrisez pas, il faut se dire, au moment où vous n'y arrivez pas, et ben c'est à ce moment-là que vous allez faire la différence. C'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se joue entre ceux qui vont baisser les bras et ils vont abandonner, tout simplement. Donc ils vont pas avancer. De ceux qui vont se poser 5 minutes et se dire, attends, là il y a un truc, je comprends pas, il faut que j'insiste, il faut que j'aille jusqu'au bout de la démarche, parce que visiblement c'est important. Ça, c'est très très important. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que il faut bien avoir conscience des moments de peinture où je suis dans un exercice où je travaille pour apprendre, d'un moment où je fais du concours, je fais ce que je sais faire, et d'un moment où je fais de l'armée, où je fais à la sbeul, quoi. Ouais, dans les shonen, c'est à ce moment-là qu'il va dire « Ah, je vais venger mon père qui s'est fait tuer dans une usine de marque de peinture Prince Auguste C'est pour mon père, hein. Je vais le venger !» Bah, je suis désolé, Prince Auguste, c'est tombé sur vous. Je fais ni concours ni figue de jeu, la qualité médiane, je dirais, je fais juste une figue différente à chaque fois pour découvrir et essayer de progresser. Mais j'arrive pas à me dire que des dégradés ou que des lumières, etc. Comment ça, que des dégradés ? T'es pas obligé, tu peux avoir un exercice, faire de la peau. Je fais juste la peau, le mieux possible. Ça peut être un exercice, tu vois. C'est pas obligé que ce soit aussi cloisonné que ça. Si ça te plaît pas, t'es pas obligé de le faire dans ce sens-là. Ça m'est arrivé de m'agacer et tremper ma figue dans l'alcool. Bah ça, c'est le pire. Le pire, c'est de s'énerver et de décaper sa figurine. Si vous n'y arrivez pas, vous êtes en train de galérer, il faut avoir l'action de poser le pinceau, de reculer. Et observer. Avec un air de penseur de Rodin comme ça. Il faut vraiment... c'est ces moments-là justement où il faut se battre. T'as raté ton truc, c'est pas bon, ça marche pas. C'est à ce moment-là. Et il n'y a pas beaucoup de moments où ça va arriver. Et plus le temps va passer, moins ça va arriver. Et ces moments-là, au contraire, il faut les choyer. Parce que là, t'as mis le doigt sur un truc. T'as mis le doigt sur quelque chose sur lequel tu dois gamberger pour avancer. Donc dans ces cas-là, au contraire, laisse-la. Surtout laisse-la et dis-toi, oh putain, j'ai fait une connerie, il y a un truc qui marche pas, ok. Là, je vais pouvoir capter quelque chose sur la peinture. Let's go, on le laisse. Au pire, si ça te saoule, tu la laisses de côté, tu reviendras demain ou dans une semaine, tu la prends en photo, tu l'envoies à des potes. Mais au contraire, c'est une relique. Il faut l'encadrer, cette croûte, pour se dire « Attends, j'ai fait une connerie, il faut que je comprenne. » On n'en fait pas toujours des conneries. Des fois, on les voit pas. On n'a pas conscience que ça marche pas. Une seule technique, par exemple, j'ai une figue que j'ai jamais fait et je me donne à fond partout. Mais j'arrive pas à faire des exos ciblés. Bah, si t'y arrives pas, t'es pas obligé de le faire, hein. Moi, c'est juste, encore une fois, l'optimal. Mais si c'est une méthode qui te plaît pas, au contraire, faut pas le faire. Il faut faire les trucs qui te plaît le plus possible, c'est ça le plus important. Du coup, tout le monde en train de ranger, tu sais, son atelier et tout. Ah putain, c'est énorme. J'aimerais bien avoir une petite caméra chez vous, là. Ah, c'est exceptionnel, j'adore. C'est trop bien. On va faire cette vidéo une fois par mois. Tu sais, je vais faire un sub spécial pour votre petite femme. Tu sais, elle envoie un petit prime. Je fais une vidéo, tu sais, elle fait ça quand elle en a marre que c'est le bordel dans ton atelier. Comme ça, ça vous fait ranger. Ah, c'est pas mal. Oh putain, on a tiré un business plan, là. Tu dégoupilles l'aéro. Ah, ouais, non, faites pas ça. Attention, la goupille rouge. Sur l'aéro, on n'y touche pas. J'ai tout rangé ce week-end, j'ai passé 3 heures ce soir. Ah, c'est exceptionnel. On se sent influenceur. Écoutez, pour bien progresser en peinture, il est important de faire la vaisselle. La vaisselle doit être faite, essuyée et rangée. Sachez-le, c'est important. Tu tombes mal, je viens juste de finir Oula et j'ai tout rangé, nettoyé. Ah, je veux les photos. Alors le top, s'il y a le avant-après, là, c'est trop classe. Comme ça, je pourrais voir l'influence, tu vois. Je me suis jamais énervé, je m'émerveille à chaque coup de pinceau, même si le résultat
fait parfois mal aux yeux, mais j'ai le sentiment de progresser lentement. Ah, t'as pas de moment, c'est ça que tu voulais dire, peut-être, où vraiment tu dis, ah, j'ai fait de la merde, c'est la cata ou quoi. Ça, c'est vrai qu'il y a pas, comme je dis, hein, tout le monde n'a pas ce déclic-là. Et quand tu l'as, tu dois le choyer, ce truc-là. C'est trop bien. Quand t'arrives à repérer que t'as fait une connerie, t'as pas toujours le moment où tu sais pas exactement ce qui va pas. Mais ça va peut-être pas parce que t'as la tête dans le guidon, t'es en mode feu à volonté, t'as speedé, t'as besoin de recul des fois. Donc il faut laisser surtout la peinture quoi. Des techniques anti-chat qui foutent des poils sur le plan de travail. Laisser son atelier en bordel. En général les chats ils aiment pas les... Non je sais pas, t'as pas une porte? Tu peux pas fermer la porte ou un truc comme ça? Ouais, pour le coup, c'est marrant, mais les chats, ils vont jamais... J'ai toujours eu des chats, ils ont jamais été sur l'atelier. Alors, c'est peut-être parce que j'y travaille beaucoup. Mais ils montent jamais. Mais tous les chats que j'ai eus. Tu vas peindre ton armée d'orques et tu vas faire des peaux parfaites. Et quand j'ai vu que ça allait me prendre 3500 ans, j'ai décidé de couper la poire en deux et d'utiliser des shades. Bah ça, de toute façon, c'est... Je pense que c'est la meilleure idée, quoi. Pour moi, quand t'as 3500 points, faire la figurine parfaite, c'est pas le sujet, c'est pas le combat. Vaut mieux se dire, tu vois, pour faire les peaux parfaites, tu sais que tu vas y passer 10 heures par figurine. Moi, je préfère y passer deux fois moins de temps et toutes les heures économisées, je les mets dans une belle figue de concours. Tu vois, pour moi, c'est plus intéressant, quoi. À quel moment faudrait qu'on se détache de la copie suivie d'un tuto d'un autre peintre? Je pense que ça doit se faire naturellement. C'est quand tu sens que t'en as plus besoin ou que t'en as marre, que... Tu vois des limites, ou peut-être que quand tu commences à improviser, à te dire « Ah non, ça, j'ai peut-être modifié un peu, ça me va pas. » Tout simplement, quoi, quand tu commences à être à l'aise. Fermer la porte avec les chats. Et il y a une astuce, les gars, pour fermer les portes avec les chats. Ça, imaginez, ça c'est la porte. Ça, c'est la poignée de porte. Vous pouvez dévisser votre poignée et vous la mettez dans ce sens-là. Comme ça, le chat, il peut plus l'ouvrir avec sa patte. Du coup, c'est fermé. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Meilleure astuce de tous les temps. Il marche dans la palette humide. Ah, c'est terrible. Quand tout est rangé, on joue aux cartes sans les sortir du paquet. Bah, on joue pas aux cartes, on peint. C'est mieux, non? Quand tu piges la technique, c'est déjà moins de la copie. C'est pas faux. C'est pas faux. Je sais plus où j'en étais, du coup, dans le plan. Ah oui, donc du coup, j'avais dit insister et persévérer lors des exercices. Et ensuite, le deuxième point de choisir ses combats, pour les figurines de concours et les figurines de jeu, t'es censé faire que des trucs que tu sais faire. Alors attention, on s'entend, on sait jamais faire quelque chose à fond. Tu vois, il y a toujours mieux à faire, le contraste c'est jamais parfait, telle couleur je la maîtrise pas, bien sûr. Mais il y a des choses que tu maîtrises mieux que d'autres. Par exemple, t'as jamais fait d'OSL, tu ne vas pas te lancer sur des OSL, sur tes figurines d'armée ou sur une figue de concours. Tu vas le faire sur une figurine de test, un exercice. Pareil, si j'en sais rien, moi, t'as jamais peint de peau d'orque verte, tu vas pas commencer à tester sur ton armée, tu vas d'abord tester sur une figurine test. Ça, c'est un truc qui doit être intégré dans votre tête, bien séparé. Sur les figues de concours et les figurines de mon armée, je fais que les trucs que je sais faire. À la fois parce qu'en concours, je veux donner le meilleur, donc ce que je maîtrise, et en même temps, sur les figues d'armée, je veux aller le plus vite possible, être le plus efficace possible, donc je fais ce que je maîtrise. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire des trucs que vous ne savez pas, mais si vous voulez, par exemple, vous lancer dans une figue de concours, vous n'avez jamais fait d'OSL, vous ne le faites pas sur votre figurine de concours en premier, faites-le sur une figurine test. Et ça, c'est des trucs qu'on oublie. Ce truc de figurine test, c'est là où vous allez pouvoir vous lâcher et vraiment pousser les limites du truc, comprendre... Comment ça marche, comment ça marche pas. Un OSL, par exemple, vous avez tendance à y aller à tâtons sur votre figurine de concours, genre « Ah, ah, je vais tout niquer, putain, ah non !» Alors que là, sur la figurine test, c'est là genre « Ah, voilà, ah, c'est pas mal !» Et du coup, j'ai compris, pour la prochaine fois, ce sera bien. Et ça, c'est mieux. Gerio Balboa. Tu mets ta poignée comme ça, après tu peux plus ouvrir la porte, car le quart de tour restant, ça va dans le mur. Putain, mais vous êtes vraiment pas doué, hein. Vous êtes nul. Merci, merci, merci. J'ai travaillé cette imitation depuis tout à l'heure. Voilà, j'ai bien préparé mon stream. Et ensuite, le dernier truc pour moi, c'est aussi le peaufinage.
le peaufinage de figurines. Donc peaufiner son dégradé, pousser son truc au maximum. C'est pareil, ça, ne le faites pas sur une figurine d'exercice. Ne commettez pas l'erreur de faire une figurine test et de se dire « Oh, ça part bien, et si je poussais plus ?» Non, on ne fait pas ça. On refait une figurine, on part sur un autre truc, mais c'est pas une bonne idée parce que la figurine test, la manière dont vous l'avez fait, vous allez perdre du temps à repeaufiner, à refaire votre truc. Non, ça doit être clair dès le premier instant. En tout cas, toujours dans l'optique d'optimiser sa façon de travailler. Figurine de concours, on peaufine à mort. Par contre, figurine de jeu ou figurine de test, on s'en fout, c'est pas le sujet. Les figues de Figostage, ça arrête des brouillons, des figurines test. Là, complètement, ouais. Pour moi, c'est carrément dans le même truc. On est obligé de peindre en faisant les mêmes bruits. Bah, éventuellement, si tu veux rester un peintre médiocre, tu ne fais pas de bruit. Mais si tu veux devenir bon, va falloir. La poignée, ça marche que avec les portes sans mur? Bah, bien sûr que non. Au pire, tu sais, t'es pas obligé de la mettre dans ce sens-là. Tu peux aussi la mettre dans ce sens-là. Comme ça, tu la tournes comme ça. Tu vois? Dans l'un ou l'autre, ça marche. Ça marche bien. Je suis obligé d'être un minimum ordonné. Ma table de peinture est dans le salon. J'ai royalement 110 cm sur 45. Le pire atelier de tous les temps. Ça, c'est dur. Quand t'as un atelier qui est pas fixe, c'est dur. Vraiment, bon courage. Il faudrait créer une association des peintres nomades, des peintres sans domicile fixe. Les SAF, les sans atelier fixe. Mettre une poignée bien ronde. C'est pas mal ça. Poignée ronde. C'est pas bien les ateliers à roulette mobile. Je trouve que c'est mieux les ateliers à roulette fixe. Perso. Je trouve ça plus efficace. Hop là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Bah ça c'est fait. Donc choisir ses combats, c'est terminé. Ensuite, on arrive au troisième point. On en a déjà parlé, c'est quand le rendu nous plaît pas. quand vous avez fait un truc, vous avez fait un exercice, voilà, vous avez testé quelque chose et ça va pas. Ça va pas. C'est à ce moment-là où je vous ai dit, il faut poser le pinceau, prendre du recul, mais littéralement prendre du recul. C'est-à-dire vraiment reculer, prendre de la distance, parce qu'on réfléchit mieux à distance. On a l'habitude de travailler de très près parce que c'est des petits objets, mais on réfléchit mieux à une certaine distance de sa figurine. Et bon... Là, c'est se poser des questions. Pourquoi ça me plaît pas? Qu'est-ce qui va pas? Etc. Si vous êtes énervé, c'est pas la peine. Il faut le faire à froid, ce truc-là. Donc, il faut pas qu'il y ait d'émotion. Si vous êtes contrarié, il faut aller faire un tour. Faites une partie de League of Legends pour vous calmer. Petite bagarre sur Street Fighter, ça détend. Et après, on revient. Donc ça, ça peut être pas mal. Ensuite, le deuxième truc, ça peut être de demander, tout simplement, de l'aide. J'ai raté quelque chose. Je prends... ma figurine en photo, et je vais demander au peintre merveilleux que j'adore, les copains, le type avec qui je suis en contact, vous avez un Patreon, vous demandez à votre boss sur Patreon, etc. Histoire d'avoir son retour. Parce que ça peut être normal, vous trouvez pas pourquoi, bah demandez la solution, on va vous expliquer. Vous voulez apprendre, vous voulez comprendre pourquoi vous avez chié, parce que vous voulez pas refaire cette erreur. Si vous mettez votre figurine dans le Glanzer, vous allez la refaire la connerie. C'est pas parce qu'elle a disparu qu'elle n'existe plus. League of Legends, mais ça détend, League of Legends. Écoutez, la communauté League of Legends est merveilleuse. Moi, j'adore. Sinon, un petit Counter-Strike. Non, c'est pas mal. Il joue Maître Yi Jungle. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Une partie League of Legends qui est calme. Moi, je trouve que c'est un bon test. C'est-à-dire que quand tu joues à League of Legends et que tu restes calme en toutes circonstances, c'est que t'as un côté très zen. Je trouve que c'est un bon étalon, quoi. Ça parle de poignées de porte. C'est un vrai sujet dans la peinture, les poignées de porte. C'est important. Donc voilà, ça demande des conseils aux copains. Et puis, enfin, la dernière chose, ça peut être, vous avez des modèles, comparés avec des modèles. Exemple, vous avez vu la super figurine de Giraldès que vous adorez, vous dites, oh là là, j'adore ce qu'il a fait, j'adore sa figurine, c'est trop bien. J'achète la même figurine et let's go, j'essaie de refaire pareil. J'y arrive pas. Je mets ma figurine et je compare. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Etc. Ça, c'est une vraie démarche d'apprentissage. Quand vous êtes autodidacte pour l'essentiel, y a très peu de gens qui suivent des cours de peinture assidûment. Et j'ai quelques élèves qui reviennent régulièrement, mais c'est très ponctuel. Pour l'ensemble, c'est je prends un cours et puis on viendra dans un an, dans deux ans. Voilà. Ce qui est normal, hein, parce que faut quand même du temps pour apprendre tout ça. Mais du coup, vous êtes autodidacte. Et pour être autodidacte, la qualité première, c'est d'apprendre de ses erreurs.
En gros, quelqu'un qui a suivi un enseignement ne va pas forcément faire d'erreur, puisqu'on lui donne directement l'enseignement. Donc il passe pas par la case erreur, ce qu'on fait quand on est à l'école. Quand vous êtes autodidacte, la première des qualités, c'est que vous allez en faire des conneries. Vous n'avez pas le choix. Et la différence, c'est que vous, quand vous faites une connerie, vous vous arrêtez pas. Vous vous posez la question de pourquoi j'ai fait la connerie et pour ne pas la refaire après. C'est ça, être autodidacte. Et de la thune, hein. Ouais, j'adore la thune. La thune, c'est trop bien. Donnez-moi de la thune. Voilà, ce point-là, il est terminé. Ça, c'était les petits conseils de quand ce que vous avez fait, ça vous plaît pas. Voilà ce qu'il faut faire selon moi. Entre le stage, le transport, l'hôtel, éventuellement, ça fait un budget pas forcément dépensable plusieurs fois par an. Mais complètement, ça je le conçois tout à fait. C'est pas donné. C'est clairement pas donné. On se fait un max de thunas en donnant des cours. Je vais tenter le rendu contre-jour. Fixe couchure noire. Comment on peut éviter l'effet « je suis satisfait de ma croûte » sans me rendre compte que c'est vraiment dégueulasse ? Bah, tu vas voir des versions de ta figurine peintes par des grosses brutes, par exemple. Comme ça, là, t'es bien dégoûté. Ou tu demandes de la vie à ta femme. Ta femme, en général, elle va bien dire que c'est de la merde. Ça, c'est pas mal. Ou tu demandes à tes potes quand c'est des salopards. Ça, ça marche bien aussi. Ensuite, on arrive à un point, ça commence à être un peu redondant, mais surtout... Point numéro 4, ne pas improviser. Ne pas improviser. C'est important. La thune, tu dois lui la trouille en voyant le tarot du casque du roi sorcier. J'avoue, le truc à 1500 balles là. Ah putain, ça va choquer. À force de peindre, tu feras forcément mieux. Mais c'est hyper déprimant d'être jamais content de ce qu'on fait. Je dirais que il faut jamais être satisfait. Dans le sens où on se dit « Ok, c'est bon, je suis content, c'est exactement ce que je voulais. » Il faut pas être dans cet état d'esprit-là. Mais il faut toujours regarder de l'avant. C'est-à-dire ne pas se dire « Oh là là, je n'y arrive pas. » Mais plutôt « J'ai ce truc-là que je dois apprendre, j'ai encore ce truc-là que je dois apprendre, etc. » Toujours regarder vers l'avant. C'est un peu ça pour moi qui fait que ça marche. Mais c'est pas toujours évident. Faut accepter aussi que des fois, dans ton mental, tu auras des hauts et des bas. Il y a des moments où tu vas être dans une bonne dynamique, tu apprends plein de trucs, tout va bien, tu vois que ça monte. Puis il y a des moments où tu vas stagner. Ça, moralement, des fois, ça peut être difficile. Puis du coup, bah, tu te dis « Ah putain, j'y arrive pas, ça n'avance pas. Bah. » Faut accepter que tu vas pas toujours progresser. Il y a des moments de flottement. Et plus tu avances dans la peinture, plus tu deviens bon, plus les moments de flottement sont longs. Pour des petits moments d'apprentissage. Alors qu'au début, ça fait « Waouh !» Et hop, tu stagnes 2 semaines et « Waouh !» Et tu montes, voilà. Je le fais bien, hein. Elle a juste rien à foutre. C'est vrai. Fréquence de peinture par semaine est nécessaire pour progresser. Une par semaine pour moi, si vous êtes dans l'optique de devenir, d'avoir un certain niveau de peinture, on s'entend, un niveau certain, une fois par semaine, c'est un minimum. En dessous d'une fois par semaine, ça devient totalement récréatif, il n'y a plus d'ambition, faut pas en avoir, vous n'en aurez pas, enfin, vous allez peut-être apprendre parce que vous êtes super intelligent ou super doué, mais il y a de grandes chances que ce soit pas le cas. Un minimum une fois par semaine. Et attention, si vous peignez qu'une fois par semaine, faut que cette fois par semaine, ce soit une dinguerie. C'est-à-dire que quand tu peins, tout est calculé, t'as gambergé, t'as réfléchi à ta session, enfin c'est un truc bien préparé quoi. Si c'est une fois par semaine en mode « Oh, je prends le pinceau et ouais, on s'amuse », bon bah là ça va être compliqué quoi. Mais c'est comme ça, évidemment, hein. C'est que si tu veux avoir un certain niveau, faut aussi se donner les moyens de progresser. Et à un moment, le temps, tu peux pas y échapper, le temps de travail. Une fois par semaine, clairement, pour progresser, c'est pas assez. Ouais, je pense que c'est encore un peu juste. Hein. Je pense que 2 voire 3 fois par semaine, c'est pas du luxe. Autant aller danser, tout à fait. Mais après, on peut peindre pour son plaisir, parce que vous voulez peindre votre armée. Là, on parle de gens qui veulent prendre un bon niveau. Et c'est intéressant de le comprendre aussi, parce que parfois, il y a des gens qui se plaignent un peu de leur niveau de peinture, et quand tu leur demandes le temps de travail qu'ils ont par semaine, mais tu dois être très content du niveau que tu as par rapport au travail que tu fournis. Il faut être très conscient de ça. C'est-à-dire, évidemment, si vous peignez une fois par mois, ça va être compliqué de monter son level de peinture, c'est normal. Personne à votre place ferait mieux. C'est logique.
Si vous par contre vous peignez tous les soirs, vous vous donnez, etc., vous montez pas, là il y a peut-être un truc, il y a peut-être quelque chose, une remise en question à faire. Il faut avoir conscience de ça. Une figue par jour, ouais, une figue par jour, non, peut-être pas quand même. Trois fois par semaine déjà, c'est très bien. Pour moi, deux fois par semaine, c'est un bon rythme. On parle d'une session, attention, c'est pareil, qu'est-ce que c'est qu'une fois par semaine? Si c'est une heure, non. Vaut mieux faire, allez, 3 heures, 4 heures, c'est bien. Une session de 3 heures, 4 heures en peinture, je pense que c'est bien. En dessous, c'est un peu léger. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir bien réfléchir, prendre votre temps, gamberger. Mais par contre, c'est pas la peine de faire une journée par semaine et de peindre 10 heures dans la journée, quoi. Ça va pas être très efficace non plus. Tout à fait, Cosmo KitKat, mais... quand même, des sessions de 3-4 heures, pour moi, c'est pas... C'est bien, quoi. Parce que mine de rien, ça va vite. Le temps de te mettre dedans, préparer ta peinture, préparer ta palette. Tac-tac, on est bien, on commence. Déjà, t'as un petit quart d'heure, 20 minutes de perdu. Tu commences à faire ton truc. Enfin, 3-4 heures, pour moi, c'est pas du luxe. 2 heures par jour. Bah, c'est... écoute, 2 heures par jour, si ça vous va. Dur de savoir si on progresse à un certain moment. C'est le plus dur, on sait que ça prend du temps, mais on sait pas si on fait bien les choses. Bah après, c'est... si ça vous donne un ordre d'idée... quand j'ai commencé à peindre avec Spony, j'avais déjà des notions. Des notions de peinture, appliquer des peintures, la vichette, brossage, tout ça. Je connaissais pas trop dégradé et j'avais pas trop de notions de contraste. Hein, donc c'était un niveau assez moyen. Il m'a fallu 2 ans pour commencer à apprendre à mettre un peu de contraste, à faire mes premiers vrais dégradés. Et ensuite, au bout de 3 ans, je me suis lancé en pro. Et là, ça doit faire 5 ou 6 ans que je suis pro. Donc ça vous donne un ordre d'idée du temps que ça m'a pris. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup peint. Énormément, beaucoup d'heures. J'ai vraiment bossé comme un âne. Donc si ça vous prend beaucoup plus de temps que ça, c'est normal. Pour le coup, pour vous donner un ordre d'idée, au début, je peignais tous les soirs et tous les week-ends. Ça s'arrêtait jamais, quasiment. N'arrive pas à faire de longues sessions. Mais après, de toute façon, peu importe le conseil que je vous donne, il y a un conseil qui doit primer sur tout le reste, c'est que ça doit être un plaisir. Et le plus important, c'est de mettre du plaisir dedans. Si vous prenez plus de plaisir à faire une session de 1 heure tous les jours, et bah faites-le. Si vous prenez plus de plaisir à faire une session de 10 heures une fois par semaine, et bah faites-le. Si vous prenez plus de plaisir à peindre dans votre bordel avec des pots de partout, et bah faites-le. Le plaisir, c'est la notion la plus importante pour progresser. Tu lui demandes des aides à Lisa. Évidemment, évidemment. 1h30 à 2h par jour, ça permettra de vraiment se poser pour progresser. Ouais, 1h30, ça commence à faire un peu juste, hein, je trouve. Qu'est-ce qu'on fait en 1h30? Ça va vite. Hein. De feuilles plastiques polarisantes qui permettent de vérifier le contraste de valeur en un clin d'œil. Pourquoi tu veux des feuilles plastiques quand t'as un téléphone, hein, qui prend les photos? Vous êtes vraiment des vieux, hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible, hein. Honte sur vous. Je dis ça, mais je sais même pas où est mon téléphone. du coup, le point c'était qu'il ne faut pas improviser. Voilà, on est dans le truc ne pas improviser. Et pour ça, bah, tout doit être réfléchi. C'est-à-dire que quand vous vous lancez dans votre peinture, au moment où vous mettez votre premier coup de pinceau, tout doit être calibré. Je sais quelle couleur je dois appliquer après, jusqu'où je dois aller en termes d'éclaircie. Je connais la peinture de chacune des parties de ma figurine, ce que je vais faire sur chacune. Je sais déjà tout ça avant de commencer. Que ce soit pour une figurine d'exercice, une figurine de concours ou une figurine de jeu, peu importe. Parce que si c'est pour votre armée, vous n'allez pas improviser. Vous êtes censé faire ce que vous maîtrisez. Si vous faites une figurine de concours, vous faites ce que vous maîtrisez. Et si vous faites un exercice, vous êtes censé avoir réfléchi à ce que vous allez travailler pendant cet exercice. Donc vous ne devez pas improviser, et pas avant des années et des années et des années de travail. C'est un peu comme ceux qui font du jazz en musique. Avant de faire du jazz, c'est des années de conservatoire très très longues, puis des années de musique classique très très longues. Et puis, si vous êtes bon, si vous êtes doué parmi tous ces gens qui sont extrêmement doués, il y a moyen que vous fassiez du jazz. Parce que vous avez une telle connaissance des règles de la musique que vous improvisez, on a l'impression que vous improvisez, mais en fait vous connaissez le cadre tellement bien que vous savez d'instinct ce qu'il faut faire. C'est pareil en peinture, c'est qu'en fait il va falloir beaucoup, beaucoup de temps. Comme dirait Sylve Barbe, beaucoup de temps avant de pouvoir improviser. Et plus vous improvisez,
plus c'est la merde. Et plus vous cadrez les choses, plus vous allez apprendre vite. Parce que, exemple, je peins mon OSL, je choisis toutes les couleurs dans mon OSL. Les couleurs de base et les éclaircies de mon OSL, je mets tout, je prépare ma palette, je démarre mon OSL, je le fais jusqu'au bout. C'est de la merde. Pourquoi ? Est-ce que c'est les peintures que j'ai choisies, que j'avais prévues au départ ? Du coup, ça n'est pas la question de « est-ce que j'en mets plus, j'en mets pas plus ?» Non, c'est peut-être le choix de base de peinture que j'ai fait qui n'allait pas. Et je vais regarder « ah, c'est peut-être le contraste ». Et du coup, comme j'ai mes peintures de prête, je les ai en face de moi, je les ai réfléchies, je noterai pour la prochaine fois. Quand je rechoisirai des peintures, je ferai attention à ces choses-là. Donc ça, c'est important. Merci beaucoup Arcops et bienvenue, merci pour ton follow. Je vois la lumière au bout du tunnel. J'ai vachement progressé sur ma dernière figue en l'ayant pensé plus en amont qu'à l'arrache. Et oui, on le sait tous, on le sait tous. Et après, c'est normal. Il y a des fois, vous aurez envie peut-être de juste poser votre cerveau, prendre votre peinture et peintouiller. Mais si vous le faites, vous devez avoir conscience que vous le faites et que vous allez faire des conneries. C'est-à-dire, là, ce soir, j'ai envie de m'amuser, juste de barbouiller. C'est pour moi ça qu'on appelle barbouiller. Par contre, si t'es dans l'optique de progresser, il faut savoir que faire ça, c'est pas bien. C'est un signe. L'histoire du signe. Bonsoir. Ensuite, pour faire choisir ses pots à l'avance, il faut avoir de l'expérience. Je peins avec des Skycolor et il y a zéro personne qui peigne avec ça, donc pas moyen de prendre les pots de la notice. Il y a toujours que de l'à peu près au feeling, même si j'ai une ligne directrice en tête. Et bah côté, là-dessus, moi j'ai fait une vidéo YouTube sur une peinture de figurine garde impériale où je montre tout le processus de comment je vais chercher des couleurs à partir d'une image. Et donc tu peux le faire à partir d'une figurine. Souvent, quand j'entends les gens dire « je n'y arrive pas », etc., c'est parce qu'ils n'ont pas assez essayé. Faire cette action de prendre une image, de prendre une référence et de choisir ses couleurs pour essayer de la reproduire, ça, c'est apprendre à peindre. Donc, dire « je n'y arrive pas », c'est pas « j'y arrive pas ». Pour l'instant, tu n'y arrives pas beaucoup. Et demain, tu y arriveras un peu mieux. Et après, tu y arriveras encore un peu mieux. C'est ça, apprendre à peindre. En peinture, sur toile, ou si tu vas prendre des cours de dessin, en fait, on va te faire copier des modèles. Hein. Mais personne ne sort des trucs de sa tête comme ça, en mode « ah tiens, si je faisais une courgette, comme ça ». Non, on te file un modèle et tu le copies. Parce que personne n'est capable, quand on débute, de sortir ses schémas de couleurs. On n'en sait rien, on est nul, on connaît rien. Donc on veut aller chercher des images, des références pour réfléchir sur une base et avec les pots de peinture qu'on a, essayer de reproduire un peu les couleurs, le pattern qu'on voit dans sa palette et de le refaire sur la figurine. C'est comme ça qu'on apprend à peindre, tout simplement. Il y a d'autres façons d'apprendre, il y a d'autres gens. Par exemple, ça peut être s'abonner à un Patreon et reprendre exactement les recettes que le peintre nous a fournies et puis on refait ce qu'il fait et puis on apprend comme ça. Mais bon, peu importe, on parle d'une base. C'est un projet full double OSL sur les nouveaux fakes pour un Army on Parade. C'est quoi les fakes? Dessine-moi une courgette. C'est gentil Wazek, merci beaucoup. C'est gentil comme tout. Donc voilà, on n'improvise pas, tout doit être réfléchi. Et comme je le disais, bah quand on improvise, le problème c'est que vous n'avez pas toujours conscience de... Vous allez faire un mélange à l'arrache dans votre palette, vous allez travailler à moitié en transparence. Ah, et si je poussais un petit peu plus avec un petit... Ah, je rajoute encore un petit peu de blanc, puis je rajoute un petit peu de noir. Et le problème quand vous allez faire ça, c'est que si ça ne marche pas, vous serez incapable de savoir pourquoi. Parce que vous ne savez pas clairement, ce n'était pas clair dans votre esprit ce que vous vouliez faire en termes de couleur, de contraste, parce que vous n'avez pas réfléchi votre peinture avant de la faire. Donc quand vous allez improviser et que vous allez faire une connerie, ce sera beaucoup plus dur de savoir pourquoi c'est une connerie. Alors que t'as ton peintre, qui est ton pote qui est peintre, t'as fait ton OSL, il marche pas, tu lui envoies la photo, tu lui envoies les pots que t'as pris, bah là peut-être direct il va te dire « Non mais c'est normal, les pots que t'as choisis sont beaucoup trop resserrés en valeur, du coup il n'y a pas assez de contraste, etc. Machin. » Vous voyez ce que je veux dire quoi. Merci beaucoup l'ému, merci infiniment. Du coup je vois pas, c'est pour ton cinquième mois. Je suis très content de cette chaîne. Et ben merci beaucoup, c'est super gentil. Donc voilà, l'improvisation pour progresser très vite, c'est ce que vous voulez pas. Vous voulez absolument pas progresser, vous voulez au contraire planifier le plus possible. Et il faut toujours se dire que ce sera jamais assez planifié. Je le redis encore, si ça vous plaît pas, si vous aimez pas travailler comme ça, vous n'êtes pas obligé. Moi je vous donne le selon moi ce qui est le mieux. Mais après il faut que ça reste un plaisir. Tac tac tac.
Dernier petit point pour la peinture, c'est de ne pas sous-estimer les bases. Alors qu'est-ce que c'est les bases? La palette, les couches de base, le brossage à sec, le lignage, il y en a peut-être d'autres que j'ai oublié, mais tout ce qui est technique de base. Il faut pas sous-estimer ça, et il y a trop de gens qui le font, alors que c'est peut-être le plus important, c'est pour ça qu'on appelle ça les bases. Donc notamment, apprendre à se servir d'une palette, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent pas la question de s'il y a une façon d'apprendre à se servir de sa palette. Oui, il y a des façons différentes d'utiliser une palette. Il y a des théories, il y a des philosophies, il y a différentes façons de faire. Ça peut être bien, une soirée, au lieu de peindre, d'aller se renseigner sur comment qu'on se sert d'une palette humide. Est-ce que, comment je l'organise, quelle taille, à quel point elle doit être diluée, etc. Alors c'est quand on me dit qu'il faut nettoyer ma palette, je me dis bordel. T'as déjà vu une palette dans un atelier qui était propre toi? Ça n'existe pas. Que conseillerais-tu pour un débutant qui veut s'éloigner du schéma officiel de Games? Ah, c'est beaucoup trop large comme question. Des conseils, il y en a un milliard là. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce que t'entends? Des conseils de quoi? De... C'est de la merde. Tu m'as dit c'est très bien, je suis perdu. Boire le reste d'eau, évidemment. Évidemment. Mais en tout cas, voilà. Ça, la palette... Ah yes, c'est un truc, en fait, on s'en sert tellement qu'on oublie le pinceau, évidemment, la façon dont on tient son pinceau, à quel point, quelle taille de pinceau, pourquoi on sert d'un taille 1, à quoi ça sert les tailles de pinceau. C'est important de se poser cette question-là. Pourquoi j'utilise des pinceaux pourris? Pourquoi j'utilise des pinceaux propres? Pourquoi je veux un pinceau plat? Ou pourquoi je veux un pinceau avec une bonne pointe? J'en sais rien, moi, ça peut être les couches de base. Il y a tellement de gens... Jusqu'à un niveau même médium, en confirmé, en concours, il y a des gens qui font pas des belles couches de base. Leurs couches de base sont dégueulasses. Elles sont pas opaques, il y a des trous dedans, ils en font une vite fait. Alors que c'est méga important les couches de base. On peut faire des belles figurines juste avec des belles couches de base bien choisies. Salut El Famoso Tam. J'ai du mal à utiliser les peintures contraste noir, des tips sur le sujet. Je pense El Famoso, c'est peut-être parce que c'est la couche est tellement différente. Tu fais ça peut-être sur la sous-couche Games là. Ça peut peut-être t'aider de partir sur une sous-couche un peu plus sombre. Ouais, je sais qu'il y a des copains qui ont fait ça et ça marche un petit peu mieux. C'est plus facile. T'as moins de traces et moins de différences. Donc j'en sais rien moi. Ça peut être partir sur un... Je connais pas très bien les références Games. Peut-être un... J'allais dire Codex Grey, mais je me souviens plus si c'est un gris assez sombre ou moyen. Ça va et toi Mathieu? Oh Mathieu, faut absolument que je t'appelle cette semaine. C'est terrible. Faut qu'on prévoie la date de la prochaine Maxi Bagarre. C'est pas pour l'acrylique, mais Fesechko a un passage sur sa palette et son approche est méga cool. Super ordonné. J'ai une idée du schéma, mais ça me fait un peu peur ton conseil sur l'improvisation. J'ai peur que ça finisse en autre boudin. Bah si, il est méga ordonné. Ah non, mais non, c'est putain, j'ai lu deux messages. J'ai une idée du schéma, mais ça me fait un peu peur de conseil. J'ai peur que ça finisse en autre boudin. Bah, le top ou excellence, c'est d'essayer de te poser la question pour chaque élément. Au moins, quelle est la couleur de base, quelle est l'ombre et quelle est l'éclaircie. C'est ça que tu veux sur chacune des parties de ta figurine. Choisir tous ces trucs-là. Et une fois que tu as tout choisi, tu démarres la peinture. Là, ce sera beaucoup plus clair dans ton esprit. Ensuite, une fois que tu attaques par exemple la peinture, mettons tu fais une armure rouge, tu poses la couleur d'ombre d'intermédiaire et d'éclaircie dans ta palette. Et là, une fois que tu as posé tout ça dans ta palette, tu attaques l'armure. Et l'idée, c'est que tu vas jusqu'au bout du processus. Même si ça a l'air d'être pas encore super, d'être trop fort, va jusqu'au bout, pose tes couleurs de façon bien opaque au maximum, avec le plus de contraste possible, mais avec ces trois couleurs-là que tu as choisies, pas plus. Et à la fin, une fois que tu as terminé, t'en tires tes conclusions. Si c'est trop sombre, pose-toi la question, est-ce que c'est ma couleur de base qui est trop sombre? Est-ce que c'est mon éclairci qui est trop clair? Ou est-ce que c'est mon ombre qui est trop foncé ou pas assez? J'en sais rien. Mais en fait, faire ça, ça te permet, quand ça marche pas, de réfléchir parce que tes trois pots de couleurs sont devant toi, t'as appliqué le truc juste au bout, et te vraiment te poser la question par rapport au pot de peinture et donc à quelque chose de très concret. C'est un peu ça l'idée. Tu me diras si ça te parle un peu plus. Pour remplir le Rida. Non, pas le Rida, au secours. Personne n'a donné plus de 10 coups de pinceau depuis le début du live. Ah, peut-être qu'on ne peint.
Et bah avec grand plaisir, ou excellence. Tac. Donc on a parlé des couches de base, donc évidemment, ne pas négliger les couches de base. Pareil, hein, le brossage à sec, je vous l'ai déjà dit, il y a plein de gens qui considèrent que le brossage à sec c'est une sous-technique, mais ça l'est pas. C'est une très bonne technique à mettre dans votre répertoire, qui peut servir pour faire des effets super intéressants. Pas forcément pour un effet rapide, ça peut être bien pour faire de la texture, ça peut être bien pour certains types de peintures. Il y a des gens qui font des figurines de concours en faisant leur brouillon au brossage sec pour gagner du temps, etc. etc. Donc ça c'est très bien. Le lignage, voilà, le lignage c'est important. Réussir à faire de belles lignes bien nettes pour bien définir sa figurine. Donc tous ces trucs là, surtout ne pas négliger les techniques de base, et très régulièrement quand t'es un peintre et que t'avances, que t'évolues, tu deviens bon, on y revient, c'est-à-dire que bah, y a un moment, moi j'y suis revenu sur du lignage le plus net possible, à me refaire un exercice, faire le lignage le plus fin possible, le plus net, etc. Parce que bah, au fur et à mesure que t'avances, t'as envie de vérifier si c'est toujours bon, s'il n'y a pas des choses à maîtriser, s'il n'y a pas des trucs où tu négliges un peu. J'ai quasi fini un Dreadnought depuis 17h. Tu l'as fini il y a 17h ou à 17h aujourd'hui? Merci beaucoup Pierrot pour ton 13e bois, merci beaucoup. J'apprends à faire du lignage avec mes Space Marines. Bon, les Space Marines c'est trop bien pour ça. Games, ils ont des super figues hein, pour apprendre à faire le lignage. Il y a des figues qui sont plus faciles que d'autres, selon les marques. Il y en a qui sont chiantes parce que vraiment c'est mal défini. Ah, je l'ai attaqué à 17h, d'accord. Je reviens vite fait, je vais chercher à boire parce que je me dessèche à force de parler. Je vous laisse méditer sur mon sapin, voilà. Ah. Angry Painter. des bisous Sorrent. Par rapport au lignage, j'ai du mal quand les arêtes sont très peu marquées. T'auras un exercice conseillé. En fait, des fois... Merci beaucoup Arsmoday pour ton 10e mois, merci infiniment. En fait des fois quand les lignes sont pas assez marquées, tu vas tricher et tu vas pas t'appuyer sur l'arête, tu vas les tracer à la main. Donc il faut apprendre à tracer des lignes à la main. Et pour ça je vous ai donné un petit exercice que vous pouvez faire régulièrement, elle est sur la chaîne YouTube, pour apprendre à tracer des lignes, tout ce qu'il y a de plus simple. Des fois t'as pas le choix, c'est comme ça, c'est tout pourri. C'est le fameux sapin sapinte. Ok, bon, la suite. je fais le vide décor resin stuff, la boîte est pétée, mais j'ai des bouts utilisables. Ah bah il y a des fois, ouais, mais même le voilà, il y a des marques de figurines qui sont un petit peu moins qualitatives que d'autres, et du coup il y a des fois où vous devez improviser. Hein. Avec quoi on peut décaper des figurines peintes avec de la peinture Games Workshop. Bah le top, moi on m'a dit que c'était le Glanzer, c'est ce qui marche le mieux apparemment. Ça attaque pas le plastique et ça enlève bien la peinture. Par contre, c'est un outil qui est dangereux dans le sens où c'est un produit nocif. Je crois que ça irrite, ça doit être acide, ça attaque les trucs. Donc, tu mets ça dans un pot en verre. Faut pas que ce soit accessible aux enfants. Et puis voilà quoi. Mais par contre, ça décape bien. Après, il y en a, c'est à l'alcool ménager, je crois. Bac à ultrason et alcool à 90. Si t'aimes pas effectivement le Glanzer parce que c'est un produit chimique et tout. Salut, Huge. Le décapant pour ongles sans acétone. Oh là là, les décapeurs professionnels. Les gros décapeurs. Tac, la suite. La suite. Donc là, on arrive à la dernière partie, mesdames et messieurs. La dernière partie, c'est après la peinture. Donc je vais récaper pète. Pendant la peinture, le petit 1, c'était choyer son environnement de travail. Voilà, il faut que ce soit agréable, que ce soit pas une contrainte, que ce soit pas chiant... qu'on soit pas mal à l'aise, qu'on s'énerve pas, parce que c'est pareil, quand vous avez une posture physique qui est pas bonne,
ça va vous taper sur les nerfs parce que vous allez avoir des petites douleurs que vous n'allez pas forcément y faire attention pendant la peinture parce que vous êtes très concentré. Ça va vous gonfler et vous allez vous énerver et là vous allez faire de la merde parce qu'il faut être le plus détendu possible. Ensuite, choisir ses combats. Donc quand on fait des conneries, c'est là où on doit se battre. Quand on fait des figurines pour le fun, là on se casse pas la tête. On peaufine ses figurines que si c'est pour des concours ou si c'est pour son armée, pas forcément, et exercice non plus. Quand le rendu il nous plaît pas, prendre du recul, demander des conseils, comparer à ses modèles, aux gens qu'on aime bien suivre, c'est important. Quatrièmement, ne pas improviser, on doit tout prévoir, tout doit être le plus réfléchi possible. Numéro 5, ne pas sous-estimer les bases, voilà, la palette, les couches de base, le brossage à sec, le lignage, etc. Il faut y revenir régulièrement. Re, monsieur Rouf. Après la peinture, une bière. Pas tout. Alors, on peut faire la suite avec une bière à la main, si vous voulez. Après la peinture. Ces conseils sont si sérieux? Bah, j'essaie de vous donner des conseils de qualité supérieure, quand même. Ah, si vous voulez, je lâche une caisse pour détendre l'atmosphère. Mais il y a un fil sur le micro, vous l'entendrez pas. Ça, c'est terrible. Numéro 1, émettre sa critique. Voilà, critiquer sa figurine. Alors, critiquer, moi ce que j'entends par critiquer, c'est analyser. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Je ne vais pas dire c'est bien ou pas bien. Une critique, c'est il y a un dégradé, il y a une couleur jaune. C'est vraiment des trucs qui ne sont pas subjectifs. Donc, c'est bien fait, c'est pas bien fait, ça n'est pas de l'ordre de la critique, c'est de l'ordre du jugement. Donc là, je vais vous parler uniquement de la critique. Donc la critique, c'est une analyse. J'ai fait un dégradé, j'ai utilisé la transparence, j'ai fait un OSL, ça c'est une critique. Que ce soit réussi ou pas, ça on s'en fout. Ensuite, une fois que t'as compris ce que t'as fait, t'as bien analysé ce que t'as fait, voilà j'ai fait ce truc là, c'était ça l'exercice, c'était ça le but, le machin, c'est là où tu vas pouvoir commencer à réfléchir aux différents axes d'amélioration. Et pour réfléchir aux axes d'amélioration, le plus important c'est de prévoir le contexte. Le contexte, c'est-à-dire quels étaient mes objectifs. J'étais pas là pour faire la plus belle figurine de tous les temps, j'étais là pour essayer de faire un OSL. Ok, donc si le reste est pas fou, c'est pas le combat, c'est pas le sujet. Donc je vais pas commencer à essayer de me remettre en question sur le dégradé de la peau si l'exercice reposait uniquement sur l'OSL. J'ai fait la peau parce qu'il a fallu pour tester l'OSL par-dessus, mais je l'ai pas peaufiné. Donc je vais pas me prendre la tête avec. Ensuite, il faut aussi faire son propre jugement personnel, mais là, c'est sur un aspect par rapport à son niveau. C'est-à-dire que tu ne peux pas attendre de toi, qui peint depuis 3-4 ans un peu plus sérieusement, de réussir à faire un dégradé, un choix de couleur ou du contraste aussi bien que Giraldès ou je sais pas qui. C'est normal. Il faut te juger selon ton niveau. Et ça, c'est très important. C'est ce qui va te permettre de ne pas déprimer. Il y a des gens qui disaient, c'est quand même déprimant des fois, à chaque fois, je ne suis jamais satisfait. Mais c'est peut-être parce que vous ne posez pas votre propre contexte. Vous comparez à rien en particulier. Vous ne mettez pas votre niveau dans une timeline ou dans une courbe d'évolution ou un truc comme ça. Et ça, c'est très important. Moi, très souvent, je ne me prends pas la tête sur mon niveau parce que je me dis, en fait, c'est mieux qu'hier et ce sera moins bien que demain. Et il y a des peintres qui sont mieux, et il y a des peintres qui sont moins bien. Et bon, si je me compare à d'autres peintres qui sont moins bien, forcément, je vais me dire, oh là là, je suis trop fort, oh ça va, j'ai plus besoin de bosser. Puis si je regarde des plus gros peintres du monde, là, je vais me dire, oh putain, ça va pas du tout, c'est complètement chié ce que j'ai fait. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. Encore une fois, on en revient à abonnez-vous à des comptes de gens de votre niveau pour avoir un comparatif qui est assez cool et se dire, voilà, ça c'est bien. Après, vous pouvez aussi vous mettre des photos des autres figurines que vous avez peint avant pour comparer cette figurine-là par rapport à celle d'avant. Il a bien formulé ça, ou excellence. Il ne faut pas comparer son chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Effectivement, effectivement. Donc voilà, ça c'est évidemment très important. Et ensuite, par rapport à ses objectifs, est-ce que c'était une figurine de jeu ? Est-ce que c'était une figurine de concours ? Est-ce que c'est un exercice ? Si vous faites une figurine de concours et que vous dites « Ouais, mais il n'y a rien d'original », c'est normal, vous n'êtes pas là pour faire quelque chose d'original par rapport à ce que vous faites d'habitude. Vous êtes là pour montrer ce que vous savez faire. Donc c'est normal. Vous faites un exercice et vous vous dites « Ouais, putain, il n'y a que ce truc-là qui est chiadé, le reste, ça pue du cul », c'est peut-être parce que, en fait, dès le départ, votre but, c'était uniquement de travailler cet aspect de la figurine. Le reste, vous ne l'avez pas peaufiné parce que c'était pas le but.
donc c'est très bien. Quand je peins une figurine d'armée, j'ai peint mon orc en 3 heures, je compare la peinture par rapport à 3 heures de travail. Il y a même des fois des gens sur Facebook qui vous donnent, ils vous affichent le temps de peinture. Alors des fois c'est pour vous foutre la haine, en mode, regarde ce que j'ai en 3 heures. Même toi quand tu passes 12 heures, tu fais pas aussi bien, c'est trop bon. Mais des fois c'est juste pour vous dire, attendez, jugez pas trop vite ma peinture, j'y ai passé que 3 heures, c'est une figue rapide, voilà, donc il y a un contexte. Refaire une figurine avec un laps de temps de 6 mois ou 1 an pour voir ses progrès. Ah ouais, c'est pas mal ça. Refaire la même figurine. La comparaison avec ses figues d'avant marche bien quand je regarde mes wishes d'il y a 2 ans. Les wishes Lorraine. Et que je regarde les figurines que je peins actuellement, je vois une belle évolution qui réchauffe mon petit cœur. Et bah voilà. Et bah voilà, c'est très bien. Encore une raison de ne pas passer ses figurines dans le Glanzer. Parce que ça vous permet de comparer, de voir ce que vous avez fait. Après, si vous voulez mettre dans le Glanzer, au pire, vous la prenez en photo, vous la mettez sur l'ordi, vous la mettez quand même. Mais c'est bien d'avoir des points de comparaison pour savoir, ne pas oublier d'où vous venez. Et bon, ne pas oublier le chemin qui vous reste à faire, mais ça, généralement, c'est plutôt facile. Parce qu'on est abonné à plein de comptes de ouf, et ça, c'est simple. Salut Balou. Ensuite, il va falloir aussi, et c'est là où on parlait au début de la théorie, le vocabulaire... le cercle chromatique, blablabla, tout ça, c'est là où vous allez sortir votre bouquin quand vous avez fini votre peinture et vous allez regarder par rapport à ce que vous avez lu comme article pour cet exercice-là, par exemple. Alors, je ressors mon article et je regarde ma figurine. Alors voilà, c'est ça que je voulais faire. Est-ce que j'ai bien compris? Je relis l'article une fois que j'ai fait l'exercice. Parce que des fois, l'article que tu as lu une fois dans un bouquin de peinture... Bah, tu l'avais compris d'une certaine manière, mais peut-être que maintenant que tu as fait l'exercice, eh bah, tu vas le comprendre différemment. Et tu auras peut-être envie même de le refaire encore, parce que tu te rends compte que, ah putain, en fait, il y avait des trucs que j'avais pas du tout compris. Et là, maintenant que je l'ai fait, ça va mieux. C'est là où ils interviennent, ces bouquins de peinture. Encore une fois, si jamais vous lisez juste ça avant de vous endormir le soir, ça va être beaucoup moins efficace. Donc du coup, ça peut être bien, tout simplement. Après, ça va être, par exemple, se dire, ah alors, maintenant je sais ce que c'est la valeur, le contraste, donc bah, je vais poser mon vocabulaire. Comment est le contraste? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est pas bien? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Etc. Est-ce que c'est les ombres? Est-ce que c'est les lumières? Est-ce que c'est l'intermédiaire? Ça peut être la saturation. Est-ce que, en fait, tout est désaturé? Et vous voyez, en fait, c'est là où les mots de vocabulaire que je vous ai dit d'apprendre par cœur interviennent. C'est quand vous avez fini votre figue et que vous êtes dans l'analyse que ça va vous servir. Et c'est à ce moment-là que ça doit servir. C'est pas avant, au moment de dessiner la figue. C'est toléré de faire disparaître les preuves quand on a commencé à 10 ans? Non monsieur, on veut des photos. J'ai rangé, nettoyé le bureau. C'est énorme. C'est énorme. Ah oh, putain. J'ai fait ranger l'atelier. Ah oh, je vais vous faire dire la maison. J'ai du ménage à faire. On va s'organiser. Ça va être beau ça. Bon évidemment encore une fois, vous pouvez vous servir quand même de la théorie avant de commencer votre exercice et tout. Hein, mais disons que j'insiste un peu là-dessus. Je tire la couverture dans l'autre sens parce qu'il y a pas mal de fois où... Je vous dis, il y a des gens qui définissent leur schéma de couleur en fonction de la théorie, machin et tout. Ouais, c'est pas ouf de faire ça. On n'est pas des robots. Hein. Voilà. Ensuite, une fois que tu as fini ta figurine, évidemment, que, et ça, il y a très peu de gens qui le font, c'est se dire, d'accord, bon, voilà, j'ai foiré ce truc-là, j'ai pas réussi cette chose-là, ça marche pas. Donc, la prochaine session, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je veux apprendre à corriger cette erreur. Donc, par exemple, mon cuir est dégueulasse. Eh ben, je vais sortir une figue de ma pile de la honte avec v'là du cuir dessus et je prends des notes. Voilà ce que j'ai fait la dernière fois. Je pense que ça marche pas parce que le contraste ou parce que la couleur ou parce que machin. Ok, du coup, je reprends les mêmes pots de couleur que j'ai utilisé pour ma figurine précédente. Je change ce qui a changé. Peut-être éclaircir un peu, peut-être ajouter de la couleur, enfin peu importe ce qu'il faut. Et je reteste sur une autre figurine pour voir si ça marche mieux. Est-ce que ça marche mieux, oui ou non? Et c'est comme ça en fait qu'on apprend. Et il y a peu de gens qui le font cette démarche-là, de se dire j'ai fait une connerie, j'ai noté ce que j'avais fait, comme ça la prochaine fois je refais l'exercice pour corriger mon erreur avec le bouquin et tout. Et ça, bah, c'est comme ça qu'on avance tout simplement, en se posant les bonnes questions. Et si vous avez improvisé, vous ne pouvez pas faire cette démarche-là. Salut Mouadib. Un petit coucou sur la demande de Montbélix. Oh bah c'est gentil à Montbélix. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en forme? Tac, alors ça c'était les axes améliorés, ok. Et puis, bon, là on a parlé surtout des choses qui ne fonctionnent pas,
mais c'est aussi important de noter ce qui fonctionne. Vous avez fait un truc, vous êtes content de ce que vous avez fait, bah de la même façon, notez-le dans un bouquin, un Google Docs, ce que vous voulez, mais notez-le pour que la prochaine fois, bah, vous ayez votre petite recette, le truc qui marche bien. Bon, ça, il y a des gens, ça va, ils y pensent un peu plus. Mais il faut quand même le dire parce que bah, y a des fois, il y a un truc qui a marché miraculeusement. De la même façon, tu dois lâcher ton pinceau, genre « Oh, oh, ça a marché, putain, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et là, tu vas essayer de comprendre, c'est très important. Et tout ça, tu le notes. Mais le principal, c'est vraiment de vous dire que quand on a fini la figurine, le travail n'est pas terminé. Quand on a posé le pinceau, le travail n'est pas terminé. Et vous êtes censé passer encore du temps à réfléchir à ce que vous avez fait, j'en sais rien, ce qu'il faut améliorer. Et ça, c'est très important. Nathan, c'est un Rida. Aïe, 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 il faut faire une chanson pour le Rida. Ensuite, le deuxième point de après la peinture, c'est demander l'avis de ses pairs. Demander l'avis de ses pairs. J'ai acheté un calepin pour noter mes couleurs utilisées quand je fais un truc qui est bien à regarder. Et bah voilà, ça c'est très bien. Bah c'est exactement ce qu'il fait. Moi pour le coup, tu vois, je note. Alors je note pas tout, hein. Il y a des trucs avec le temps maintenant. Il y a des trucs qui rentrent assez vite, mais notamment pour la garde impériale, je note tout. Dès qu'il y a un truc qui est cool, je le note. Oh, salut mon Bélix. Review de ma figue de Angry Painter. Angry Painter, il me reste 2 points pour terminer. Est-ce que ça te va si j'attends... voilà, je termine le petit exposé et puis je le fais. Est-ce que ça te va? Salut Jean-Jacques Olive. Oh, Jean-Jacques Olive. Salut, comment ça va? Je demande l'avis de mon père-père. C'est quoi ces blagues nulles? Salut Dimfro. Tac, tac, tac. Donc, demander l'avis de ses pairs. Alors déjà... il faut bien choisir ses pairs. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ses pairs? C'est pas forcément quelqu'un qui est meilleur que toi. T'es pas obligé de demander tout de suite le conseil au meilleur hunter-killer de tous les temps. Ça peut être tout simplement vos potes de pindouille. Voilà, vous êtes dans un club, vous avez des potes, bah vous ramenez les figurines et vous demandez l'avis. Évidemment, sur une figurine qui est terminée. Hein, quand vous amenez une figurine qui est à la moitié faite, il y a des chances que le gars vous dise « Ouais, c'est pas mal, mais pour l'instant, c'est pas si dit. » Donc ça marche moins bien. Mais ça peut être juste vos potes de pindouille, ça peut être vos potes de jeu. Ça peut être aussi des meilleurs peintres, ça c'est pas le problème. Mais surtout, il faut bien choisir. Ne demandez pas l'avis de tout le monde, tout avis n'est pas bon à prendre. Il y a des gens déjà transmettent leur avis. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci infiniment pour ton abonnement, pour ton sub, merci beaucoup. Il y a des gens qui savent pas donner un avis. En fait, ils savent pas s'exprimer correctement, ils ont pas le vocabulaire, ils ont pas le truc, enfin, ils savent pas faire, quoi. Soit ils vont te descendre, parce qu'en fait, pour eux, donner un avis, c'est donner le négatif, ce qui va pas. Soit à l'inverse, ils savent juste dire « Oh, c'est trop beau, j'adore !» Parce qu'ils sont subjugués par votre peinture, etc., etc. Donc, il faut repérer les gens qui ont un avis qui vous intéresse, dont vous aimez, qui vous aide à avancer. Et surtout, c'est restreindre vachement. Ça, c'est pas une bonne idée de demander l'avis à tous les gens que vous rencontrez. Notamment, des fois, je le vois en concours de peinture. Il y a des gens, ils ont peint une figurine. Et ils vont demander l'avis à tous les peintres qui croisent sur leur figurine. C'est le pire à faire parce qu'il y a de grandes chances que les avis finissent par être contradictoires. Alors, il y a des fois quand même... maintenant, ça commence un peu à s'homogénéiser dans la peinture. Donc, sur les jugements, vous commencez à avoir des retours qui sont à peu près les mêmes. Et c'est pas toujours le cas. Parce qu'il y a un niveau qui est très disparate selon les concours de peinture, que ce soit dans les juges, que ce soit dans les participants, etc. Et il y a des démarches qui sont contradictoires. Donc moi, je vais vous donner un avis, ce sera le mien. Si vous me demandez le mien, c'est parce que vous voulez savoir ce que moi, je pense. Si vous n'avez pas l'habitude de... vous peignez pas du tout comme moi, ce que moi, je pense, vous en carrez l'oignon. Ça sert à rien. Vous peignez à la Games Workshop, bah moi, je vais juste vous dire, bah tes lignages, ils sont beaux. Ouais, t'as fait de belles couches de base, quoi. Parce que je suis pas un expert dans le domaine. Si tu veux avoir un avis sur une peinture de type Games Workshop, va demander à quelqu'un qui fait de la peinture dans ce type-là. Si tu veux tu fais du Grimdark, va demander à quelqu'un qui fait du Grimdark. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Bien choisir, à la fois par rapport à ce que tu fais et que ce soit un petit peu en... que ça matche, quoi. Et puis par rapport aussi à la façon de réfléchir à la peinture. Il y a des gens que t'aimes bien... par exemple, il y en a dans leur pratique qui sont vachement en mode no pain, no gain, tu vois. Donc, ils veulent se faire défoncer, tu vois. Moi, je veux que tu m'allumes.
Je veux que tu me défonces le retour sur ma figurine. Je veux que tu me démontes. Il y en a, ils veulent ça. Il y en a, au contraire, ils veulent être encouragés. Donc, dans ce cas, allez voir peut-être des gens qui sont un peu plus dans la bienveillance, dans les compliments, des trucs comme ça. Faut-il poster la figurine sur tous les Discord peinture? Absolument pas. Du coup, j'ai pas vu la réponse de Angry Painter. J'ai tout mon temps, t'inquiète. Ok, nickel. Et frappe-moi les couilles. Défonce-moi. Latte-moi les burnes. Fais-moi crier. Crie mon nom. Je vais dire ça pour mes retours peinture. Crie mon nom. Aïe, aïe. Oh, c'est spécial. Il n'est pas 23h. On se calme. On fait attention. On se calme. Mais ouais, très important de bien choisir à qui on s'adresse. Il faut que ce soit encore une fois conscient. Pareil, il ne faut pas être l'homme d'un seul peintre. Je vous le redis, ça fait un moment, je ne vous l'ai pas dit. Allez voir d'autres gens. Ne restez pas que sur ce stream. Allez voir d'autres peintres. Allez voir d'autres peintures. Pas trop, mais au moins pour savoir ce que vous aimez. Et puis de temps en temps, prenez le frais. Comme il ne faut pas être l'homme d'un seul lit, il ne faut pas être l'homme d'un seul peintre. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de vous contenter de la peinture de figurines. Ça peut être suivre une chaîne d'un illustrateur que vous adorez, suivre une chaîne d'un, je sais pas moi, de ce que vous voulez. Ah, par contre, avant de vous barrer, vous mettez votre sub. Hein. Attention, je veux l'argent. Mais ouais, c'est bien. Il faut pas rester toujours avec la même méthode, avec la même personne, avec le même truc. C'est pour ça que je vous donne des chaînes d'autres peintres. Voilà, vous avez Marco Frisoni, je vous avais parlé, bah, vous avez Angel Giraldez, je vous en parle souvent. Dimitri qui fait des super trucs. C'est bien d'aller voir un peu d'autres tutos de temps en temps. Bien que, je vous rappelle encore une fois, l'idée c'est quand même de majoritairement rester sur des techniques restreintes. C'est pas la peine de s'abonner à 15 comptes, c'est juste de temps en temps, prendre un peu l'air, ça fait du bien. Si on sub, on peut pas acheter de figurines. Bah du coup, pas de pile de la honte, donc c'est parfait, donnez-moi de l'argent. Je viens de follow tout le monde sur Insta. Quel enfer! Pratiquer le polyamour. Mais tout à fait, tout à fait. Donc ça peut être, vous avez envie de vous élargir, bah, ce bouquin-là, moi c'est pas du tout ma façon de peindre. Merci beaucoup Balou pour ton 8e mois, merci infiniment. Ça peut être faire des infidélités en allant lire ce joli bouquin qui est super, dans lequel vous allez apprendre des trucs géniaux. Il y en a tout à l'heure qui parlait du grand livre de la peinture sur figurine. J'ai dit que c'était selon moi un peu dépassé, mais vous aimez ce livre, bah lisez-le, faites-le vôtre, si vous kiffez, let's go. C'est trop bien. Vous voyez, vous trouvez des trucs assez sympas. Vous voyez, ouais, ça m'empêche pas de... Je suis allé voir Nico Désé en cours. Je lis ce bouquin, je lis plein de trucs, parce que bah, il faut s'ouvrir. Je vais voir des chaînes de peinture sur toile. Je suis abonné à pas mal de trucs. Des fois, je vais regarder des gens qui font des maquettes de Gundam pour voir leur technique de peinture, parce qu'il faut s'aérer un peu l'esprit aussi de temps en temps. J'ai envie de vous élargir. Mais oui, oh, ça va. Putain. Encore édité ce livre bon, je pense, tu dois le trouver sur le site de Figone à mon avis, non? C'est vous qui avez l'esprit mal placé. On parle de peinture, on parle de gros pinceaux depuis tout à l'heure, je vois pas pourquoi vous... Les peintres de Gundam sont des carrossiers. Bah, y a un gars moi que j'adore, j'ai son compte Insta, il fait des Gundam, mais tu sais style, ils ont été explosés, ils sont abandonnés dans la nature et tu sais la nature a commencé à repousser sur le Gundam avec des arbres dessus, des mousses et tout, c'est trop classe. Je l'ai acheté sur Figone il y a 4 mois, il dit Wazdaka. Eh bah tant mieux Azok. Si ça vous plaît, si vous êtes content de ce que vous voyez ici, c'est super. Mais c'est bien d'aller voir aussi, peut-être qu'il y a dans le monde un peintre qui a une technique qui vous parle un peu plus. Peut-être qu'à force de passer du temps ici, il y a des trucs que vous ne compreniez pas sur d'autres chaînes, que maintenant vous comprendriez un petit peu mieux et tout, donc voilà, ça peut être pas mal aussi. Les aplats sont propres de ouf, le lignage est incroyable et ça demande un temps fou. Tu peins un temps games pareil et on te chie dessus parce qu'il y a zéro highlight. Ça a un petit peu des raccourcis là, Metalovic. Hein. Acheté il y a 2 semaines, par contre le site est pas trop ergonomique. C'est un peu un site à l'ancienne, ouais. Ouais. Mais bon, c'est pour commander un bouquin, ça passe, non? Il doit être disponible dans d'autres boutiques aussi, j'imagine. Tac, tac, tac. Quand vous demandez l'avis à quelqu'un aussi, c'est très important de donner le contexte quand vous demandez un avis.
Vous l'avez peint dans quelle démarche? Est-ce que c'était un exercice? Est-ce que c'est une figurine de concours? Est-ce que c'est une figurine de jeu? Vous peignez depuis combien de temps? C'était quoi l'enjeu de cette figurine? Est-ce que je voulais faire une ambiance particulière? Je voulais, j'en sais rien, faire un truc beau, enfin, peu importe. Mais surtout donner le contexte. Juste balancer une figurine, genre c'est quoi ton avis? C'est le pire truc. Parce que si t'as pas le contexte, il te manque plein d'infos. Comme je l'ai dit, quand vous faites votre propre analyse de votre figurine, vous devez contextualiser votre travail. Et ben, ça doit être pareil quand vous demandez l'avis de quelqu'un. Contextualiser. Pourquoi vous l'avez fait, dans quel cadre. Enfin bref, vous avez compris, je vais pas vous faire un dessin. On l'a dit tout à l'heure, mais ça c'est très important. Vous aurez un avis qui sera de meilleur, de qualité supérieure en donnant le contexte de votre peinture. L'état d'esprit. Genre, vous pouvez dire, hein, en ce moment, ça me saoule, je peins pas bien, c'est pas terrible, genre, je sais pas ce que je fais, mais je fais de la merde, ça pue du cul, au secours. Hein. Voilà, ça c'est possible, vous pouvez le dire. Les avis, c'est comme des trous du cul, tout le monde en a un, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais il y a des avis meilleurs que d'autres. Il y a des avis de qualité supérieure. Et surtout, alors quand vous demandez l'avis à quelqu'un, c'est aussi, vous en prenez, vous en laissez. Vous voulez un retour qui s'inscrit dans le cadre que vous vous êtes fixé. Si vous faites un exercice de peinture, moi ça m'est arrivé, voilà. David, c'est pour toi. Je vais en concours. Moi, très souvent en concours, j'allais avec mes figurines d'exercice. Donc il y a des trucs que je ne finissais pas sur mes figurines et c'était fait en conscience. Parce que pour le coup, c'est un exercice, je m'en fous, voilà. Et de temps en temps, quand tu vas en concours, il y avait je demandais le retour des juges. Et alors le juge, il t'explique que voilà, tel truc est pas peaufiné, tel truc est machin. Bah là, pour le coup, moi, le contexte, c'était, bah, c'est une fille d'exercice, ce truc à peaufiner, je m'en tape. Donc si tu veux, ce retour-là, je le mets de côté. C'est bien, il a raison, c'est pas peaufiné, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Et ça, c'est le plus important. Ça permet notamment de, quand t'as pas d'ego par rapport au retour, parce qu'en fait on va te tacler sur des trucs sur lesquels au final, bah tu mérites d'être taclé. Tu vois, il parle de l'ébarbage, je sais pas, c'était le dégradé, l'arrière il est pas peint, je sais pas, il y a des traces de violet, il y a des traces de pinceau. Oui, il a raison, et c'est pas le combat, donc je vais pas me prendre la tête à me dire, oh là là, putain, les juges ils sont durs. Non, parce que pour le coup c'était pas le sujet, c'était pas le combat, donc tout va bien. C'est fidèle au cadre que je me suis fixé. Là où je vais être attentif, c'est au retour qu'il va me faire sur les points qui étaient intéressants dans le cadre de cette figurine de concours, à savoir par exemple le visage, j'en sais rien, le non-métallique métal, je me suis donné. Ça, ça m'intéresse son avis, parce que c'est là où je me suis donné. Vous voyez un peu l'idée? Donc, on demande l'avis, on contextualise et on prend ce dont on a besoin seulement. Le reste, on l'évacue. On manque un fond à ton Rogaldorn. Je vois pas, t'as aucune preuve, petit bâtard. T'as aucune preuve. Il est monomaniaque de la ligne de moulage. Ça, le dégradé, il aime bien que ce soit peaufiné, etc. C'est un perfectionniste, David. C'est pour ça. D'ailleurs, c'était intéressant, avec David, là, Raven Miniature Studio, on avait jugé un concours de peinture, et c'était super intéressant, justement, parce que, très complémentaire, moi, je suis pas un perfectionniste, vous l'avez peut-être remarqué. Donc, c'était très bien d'avoir David dans l'équipe, pour le coup, parce que, comme je vous ai dit, quand tu fais un jury, moi j'aime bien qu'il y ait des gens qui peignent pas du tout pareil. Ça me saoule, c'est quand il y a un jury, je vais juger un concours de peinture et c'est des gens qui sont de la même génération que moi ou qui ont la même philosophie que moi, parce que pour le coup on va être d'accord sur tout. Et c'est pas super, parce que ouais, on va passer à côté de choses et tout. Bon après c'est un choix, hein, c'est peut-être pour donner un ton au concours, mais j'aime bien que ce soit au contraire avec des peintres très différents. Puis après c'est pareil, moi du coup quand je juge avec des gens qui peignent pas pareil, t'apprends des trucs. Voilà, donc ça c'était pour demander l'avis de ses pairs. Et enfin, on arrive au troisième point, le dernier et pas des moindres, c'est tirer ses conclusions. Une fois qu'on a fait tout ça, on a fait son analyse, on a demandé le retour des copains, on a demandé le retour des juges et tout ça. Maintenant, il est temps, avant de peindre, de tirer les conclusions qui s'imposent, histoire de peindre la prochaine figurine sous les bons auspices. Alors, qu'est-ce que c'est ? Déjà, pour commencer, c'est qu'il faut apprendre à ne pas se comparer aux autres peintres, mais se comparer à ses objectifs de peinture. Je m'en fous de savoir qui peint quoi, je m'en fous de savoir que mon pote, il peint mieux que moi ou pas mieux que moi. C'est pas la question, c'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi.
Donc, ce que je veux, c'est comparer ce que j'ai fait par rapport aux objectifs que je me suis fixé. Est-ce que je voulais peindre mon OSL ? Est-ce que j'ai réussi l'exercice ? Est-ce que j'en suis satisfait ? Est-ce que je sais plus de choses sur les OSL que quand j'ai commencé ma figurine ? Si c'est oui, j'ai réussi. Si c'est non, j'ai raté. Mais peu importe qu'il y ait quelqu'un qui fasse des meilleurs OSL que moi, c'est pas le sujet. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous. Donc c'est important d'apprendre à se comparer à ses objectifs, mais pas aux autres. Ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Le point de comparaison avec les autres, c'est la première source de frustration en tout, que ce soit en peinture, mais dans toutes les disciplines, c'est quand vous commencez à regarder trop ce qui fait le voisin et pas assez ce que vous faites vous, que c'est un problème. Donc si à un moment vous êtes dans le mal, vous doutez beaucoup de vous, coupez-vous des réseaux, recentrez-vous, n'allez pas voir ce que font les autres pendant un moment, lâchez un peu les réseaux peinture, et puis travaillez. De rien, Sigour, on te fait des beaux rêves. Comment tu fais si tu trouves ton ESL nul, mais que ton sensei te dit qu'il est bien? tu te démerdes. si toi ça te convient pas, travaille plus. Il faut que tu comprennes déjà qu'est-ce qui fait que ton OSL tu le trouves nul, pourquoi tu le trouves nul, qu'est-ce qui te manque, est-ce que tu veux faire mieux, si oui comment, comment tu vas t'en donner les moyens de faire mieux, est-ce que t'as prévu une figurine sur laquelle tu vas taffer ton OSL, est-ce que tu vas essayer de le faire sur tes figues de jeu, c'est ça la question, comme d'habitude, et c'est important de le conscientiser. Les trois quarts des gens vont juste se dire « Ah, je suis pas satisfait, on verra le prochain, quoi. » Très bien, pourquoi pas, vous avez peut-être pas le temps de vous prendre la tête, mais ça va être plus long. Profitez des ateliers ouverts ou tables de peinture à peindre à plusieurs, ça aide énormément. C'est vrai que peindre en groupe, c'est quand même le top. Mais ne serait-ce que déjà pour te donner envie de peindre, je trouve. C'est très très bien. Ensuite, deuxième point, c'est fixer ses prochains axes de travail ou de vigilance. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos conclusions, j'ai envie soit de continuer sur ma lancée, j'ai travaillé mon OSL, il n'est pas assez bien, donc je vais refaire un autre exercice pour améliorer, ou je suis satisfait pour le moment, je vais partir sur un autre sujet, il y avait un autre truc qui m'intéressait, donc je refais un autre exercice, etc. etc. C'est important aussi de prendre sa décision. Est-ce que c'est une priorité ou pas? Est-ce que c'est... J'en sais rien, moi. Par exemple, vous peignez des figurines. Oui, vos OSL sont pas terribles, mais vos visages sont dégueulasses. Bon, c'est peut-être la priorité, c'est le visage. C'est quand même important. Donc, prioriser ces choses-là, c'est important. Moon, tout simplement parce que vous préférez les OSL, c'est plus important pour vous. C'est un truc qui vous titille. Donc, on va continuer à travailler là-dessus, quoi. Remplir un Rida. Je vais plus lire ces trucs de Rida. C'est comme les Rogaldorn. Je vais bannir ces mots du chat, c'est terrible. Ensuite, le dernier point, et ça c'est pour les gens qui ont une pile de la honte, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup ici, vous n'êtes pas beaucoup à avoir une pile de la honte, c'est pas très répandu. Une fois que vous avez tiré ces conclusions, vous allez devoir choisir votre support en fonction de l'exercice que vous vous fixez. C'est là où c'est bien de ne pas avoir une pile de la honte. C'est qu'en gros, vous allez vous dire, là, je veux travailler l'OSL, je vais aller choisir la meilleure figurine, celle qui est vachement bien pour travailler mon OSL. Je veux travailler la peinture de forte poitrine, je vais choisir une figurine à forte poitrine, etc. etc. Voilà, ça, c'est aussi important. Choisir sa figurine en fonction de ce que vous travaillez. Alors, ça, c'est dans l'optique vraiment d'un exercice. Mais si, par exemple, vous voulez faire une figurine de concours, choisissez une figurine de concours de trucs faciles pour vous. Vous savez pas peindre de la peau bien lisse, vous galérez à peindre ça. Vous savez pas choisir une meuf à poil ou un gros barbare tout musclé. Vous êtes fort en non métallique métal, choisissez une figurine où il y en a, vous allez briller avec ce truc. Si c'est une armée, là c'est autre chose. Mais que ce soit pour l'exercice ou la figue de concours, c'est important de bien choisir son support. La technique Gyrio, t'inquiète, à la fin ça sera beau. Ça marche bien ça. Tu peux faire du lèche vitrine. Ah, moi je me dis, en cas d'apocalypse zombie, vous êtes prêts quoi. On fait comment pour les armées de concours? Vous êtes pas prêts pour ça. Y a pas d'armée de concours, ça n'existe pas. Voilà, il y a juste l'armée à une parade de Games Workshop, mais on va dire que ça n'existe pas. Hein. On va faire comme ça, c'est plus facile.
Ah bah après vous liez, hein. Vous faites le lien, hein. Vous démerdez un peu, merde. Ouais, j'essaie de vous expliquer tout ça, déjà c'est bien. Arrêtez de poser des questions, c'est trop sérieux là. Si je veux faire une fiche de concours à partir de quelque chose que je veux faire, vu que pour mon armée j'ai peint beaucoup de SM, faudrait que je fasse un SM. Si c'est ce que tu penses maîtriser le mieux pour un concours, techniquement, oui. Mais tu peux aussi avoir la démarche CV suivante, te dire « Je voudrais, pour un concours, faire un buste de femme parce que ça me fait plaisir. » Si t'es dans l'optique à la fois d'apprendre et de truster la meilleure place du concours, ça serait d'acheter la figurine deux fois. Une première fois où tu l'as fait dans le cadre d'un exercice. Donc tu sais que tu ne la présenteras pas, que tu la bazarderas une fois que ce sera fini, poubelle. Ou tu la laisses de côté si tu veux, mais en tout cas qu'il n'y ait pas d'enjeu sur cette première peinture. Et ensuite tu la refais une deuxième fois, une fois que tu as appris sur ta figurine, tu sais ce qui est difficile, ce qui l'est pas, etc. Ça peut être aussi une solution. Pour une figurine de concours, ça peut être une fille qui nous challenge si on veut s'améliorer sur une technique. Bah, pour moi, c'est dans l'optique d'apprendre et de devenir le meilleur possible. Pour moi, c'est une erreur de mélanger le concours et l'apprentissage. Le concours est là pour que tu donnes le meilleur de toi-même. Il n'est pas là pour que tu apprennes quelque chose. Tu apprendras toujours quelque chose en faisant un concours. Mais tu veux restreindre, tu veux faire les choses que tu maîtrises parce que tu es là pour sortir le meilleur de toi-même. Mais tu as le droit de mélanger si ça te fait plaisir. Hein. Encore une fois, le but, surtout, premier, c'est que toutes ces techniques-là, si ça va à l'encontre de votre plaisir, ne le faites pas. Je suis prêt pour l'apocalypse zombie. Tu tires à l'arbalète, c'est vrai ça? T'es Daryl en fait. Ah Rémi, j'avoue, putain, elle est trop fort. S'il y a une fille que j'ai déjà fait pour mon armée, je peux l'utiliser comme base pour rectifier sa pose de lumière et en faire une deuxième. Oui, tout à fait, ça c'est une très bonne idée. Ça t'évite comme ça de la racheter deux fois et puis tu peux travailler un peu dessus quoi. L'erreur fait apprendre et l'exercice permet les erreurs. Tout à fait, c'est exactement ça. Et le problème quand tu fais cette démarche-là et que tu le lis au concours, c'est que ça devient en opposition, puisque la figurine de concours, tu veux pas faire d'erreur. Tu veux la meilleure figurine, tu veux que ce soit parfait. Et quand tu fais un exercice, tu vas faire des erreurs et tu veux les corriger. Et ça matche pas. Il y a des moments où c'est un vrai problème. Et il y a des gens qui se cassent les dents sur des figues de concours, parce qu'ils mélangent l'apprentissage et la figue de concours. Mais encore une fois, si ça vous plaît de faire comme ça, faites-le. C'est juste qu'il faut en avoir conscience et se dire « Ah bah là, je me casse les dents. Ah, c'était le risque. Je suis tombé dedans, je le sais. » Au moins, vous serez peut-être moins frustré parce que vous le savez. Vous savez que c'est pas la meilleure idée du siècle et que bah, si ça vous arrive, vous êtes en train de faire votre figue de concours et j'arrive pas à faire ce putain de dégradé sur le tissu. Bah, je le savais qu'il fallait pas le faire. Oui, monsieur, je suis déçu, mais c'est comme ça. Au moins, vous êtes au courant. Voilà. Ça vous empêche pas de faire la connerie quand même. On est tous des humains, n'est-ce pas? Voilà, donc je résume juste ce dernier point pour vous. C'était après la peinture, le point numéro 1, c'est émettre la critique de la figurine et les analyses. Deuxième point, demander l'avis de ses pairs. Et le troisième point, tirer ses conclusions. Voili voilou, j'ai terminé mon petit exposé. Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire. Évidemment qu'il y a des peintres qui ne seront pas du tout d'accord avec ce que je vous dis. J'ai pris des raccourcis. J'ai cloisonné et j'ai caricaturé les choses. Les choses ne sont pas aussi nettes et précises que ça. Il y a des fois où une figurine de concours, c'est toujours un peu un exercice. Comme une figurine d'armée, par exemple. Il y a toujours un peu d'exercice. Par exemple, moi, je peins du katachan. Je continue à m'exercer à faire du lignage, de la texture et tout ça. Je prépare mes figurines, ma palette avant de commencer et tout, mais toujours pas assez. Je pourrais le faire plus. Mais dans le cadre que je me suis posé, je me laisse des petites zones d'improvisation, etc. Donc tout ça n'est pas aussi net et marqué. C'est un modèle que je vous donne. Comme tous les modèles, il est faux, c'est une caricature. C'est mon avis. C'est comme ça que je raisonne. C'est comme ça que je vois les choses. Et puis, si quelqu'un me demandait mon avis pour progresser, qu'on me demandait quels sont les meilleurs trucs que tu peux donner, ça serait ça. Voilà ce que je vous dirais. Évidemment, on pourrait approfondir, certains pourraient, il y a peut-être des trucs qui sont pas clairs.
D'ailleurs, juste avant, il y a Angry Painter qui m'a demandé une petite analyse de sa figurine, on va la faire. Mais il y a peut-être des points sur lesquels vous voulez revenir ou des questions que vous avez. Vous n'hésitez pas. Je prendrai plaisir à y répondre. Et merci beaucoup, Birds of God, pour ton deuxième mois. Merci infiniment et des bisous. Du coup, est-ce que tu m'as envoyé ta figue Angry Painter ? Oui, il m'a envoyé sa figurine, Angry Painter. Tac, je vais prendre cette photo-là que je vais enregistrer. Et je vais prendre l'autre photo aussi tant que j'y suis. Ouh, c'est du deux sexes. Hop là. Je retiens surtout prendre une figue dont on se fout. J'ai bien mis un contexte, c'est vrai. J'aurais pas dû prendre le Librarian en armure thermique pour le serment. Quelle erreur ! Quelle erreur du joueur français ! Bah t'as encore le temps de changer là. T'as encore une semaine pour changer. Parce que j'ai pas envie de le louper. C'est peut-être mieux, effectivement. Si c'est une figurine importante, faut que tu puisses prendre ton temps, tu vois. Que t'aies bien prévu la chose. Peut-être rusher en une semaine, c'est peut-être pas la bonne idée, ouais. J'ai retenu rangé. Alors, du coup, je vais ouvrir le photofiltre. Photofiltre, hop là. Je vais ouvrir les deux images de Angry Painter. Je vais vous lire le petit contexte, comme ça vous l'aurez. Pam pam pam. Voilà le deux sexes. Et voilà la figurine. Elle est là. Parfait, parfait. Waouh, incroyable. Du coup, on va switcher dans peinture. Et tac tac, où est-ce qu'il est, photofiltre, il est là. Très bien. Waouh, incroyable, incroyable. Pourquoi il est tout coupé? Je fais une bêtise? Ouais. Bon, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Hein. Ouais, je vais laisser comme ça, tant pis. Ouais, j'ai coupé, je pense que c'était pour pas que vous ayez le bord de la fenêtre, peut-être. J'ai retenu qu'il fallait changer ses poignées de porte. Ok. Là, je vois que ça a été très utile. Si je m'y colle tous les soirs, ça ira. Bah, c'est surtout pour voir si, à mon avis, c'est si tu te connais. Si ça te met la pression, peut-être pas la faire. Si maintenant, même en une semaine, tu penses que tu n'auras pas de pression. Ce que tu peux te dire, Wasdaka, c'est que tu n'es pas obligé de la terminer pour la poster à la fin du serment. Si elle n'est pas terminée, c'est pas grave. Comme ça, au moins, s'il y a des trucs, tu n'es pas sûr et tout, tu peux laisser tranquille, quoi. Parce qu'il y a des fois, moi, pour des filles, quand je les aime vraiment beaucoup, j'ai besoin de recul. J'ai besoin de prendre mon temps pour une fille de concours. Peindre moins, mais peindre mieux. C'est un peu ça, la philosophie du moment. Profite bien d'avant le concours pour réfléchir à mon schéma. Merci beaucoup, Valala. Merci infiniment pour ton raid. Merci beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Bah, toujours bien réfléchir. Bon, alors, du coup... Voilà, je vous mets la figurine un peu plus en avant de Monsieur Angry Painter et je vous lis le contexte. Tac. Puisqu'on a parlé de contexte juste avant, c'est incroyable, il l'a fait. Alors, l'objectif en dehors de la peinture, après un an passé dans le décapant, c'était me faire plaisir sur un buste en donnant une ambiance à la figurine. Image d'inspiration jointe. Mais c'était aussi de bosser un peu beaucoup à l'aérographe. 75% de la peinture est posée à l'aérographe, beaucoup de glacis, d'ombrage et d'OSL posés avec, sachant que toute la peau a été faite à l'aérographe. Ok, ambiance. Peindre moins pour peindre mieux. Alors la question, la première que j'ai à te poser, Angry Painter, c'est est-ce que tu voulais être fidèle à l'image ou pas? Parce que tu as une image d'inspiration, mais il y a quand même des petites différences. Alors notamment, tu parlais d'ambiance, là la figurine à droite, enfin le dessin que tu as est extrêmement jaune. Et donc forte, forte lumière jaune, c'est la particularité de Deus Ex, hein. Toutes les lumières sont jaunes, c'est du doré. Là, ça y est pas sur la figurine, est-ce que c'est voulu ou pas? Manque un peu de contraste. Bah, ouais, ouais, bah, il l'a posé que à l'aéro pour l'instant. Donc c'était de m'en inspirer. Alors il faut que tu sois plus précis, peut-être, quand tu t'en inspires. Il faut que tu comprennes bien ce que tu veux prendre de l'illustration. T'es pas obligé de tout prendre. Ça peut être dire je veux m'inspirer de la pose de lumière, je veux m'inspirer des couleurs, de l'ambiance, etc., etc. En fait, on n'est pas toujours obligé de tout prendre, on en prend, on en laisse. Mais est-ce que c'était uniquement en termes de lumière, couleur,
t'avais quelque chose en tête de précis. Je m'en suis éloigné au fur et à mesure. J'avais l'impression qu'elle était pas mal jaune. Bah en même temps c'est normal, c'est très jaune le modèle. L'ambiance générale. Bah c'est ça, en fait c'est les ombres sépia et beaucoup de sépia dans l'image de droite et très jaunie pour la peau, enfin toutes les lumières en général quoi. Alors du coup la première chose que tu peux te dire c'est que t'as pris ton modèle à droite, ça te plaît pas, est-ce que le modèle de droite te plaît? Est-ce que finalement tu t'es trompé, genre bah c'était pas une bonne image quoi, finalement je me suis précipité là-dessus mais c'était pas trop mon truc. Est-ce que, en fait ça me plaisait pas, mais est-ce que tu t'es posé la question pourquoi? C'était très jaune, c'est dommage que tu n'aies pas le... Est-ce que t'as une photo de quand c'était très jaune? J'avais l'impression que le rendu final était pas mal jaune. Peut-être que t'avais, là typiquement... Si je prends l'image qui est ici, que je la passe en noir et blanc. Hop là. En fait, tu vois, t'as des grosses zones de lumière, la peau, mais t'as aussi des grosses zones d'ombre, énormes. Ce qui fait que c'est pas full jaune, parce que tout n'est pas très lumineux. Peut-être ce qui te posait problème sur ta figurine, c'est que si je fais la même chose, tu vas voir que... Bah, hop là. On n'est pas du tout sur les mêmes écarts de valeur. Et donc, le jaune sera plus proéminent. Parce que forcément, dans les lumières, ça va se voir un peu plus. Ça peut être la raison pour laquelle tu trouvais que c'était trop jaune. Là, j'extrapole, hein, parce que je sais pas, j'ai pas le... la figurine peinte en jaune comme avant. Mais ça peut être ça. Des bisous au Tatsu. Et salut Guillaume. J'ai pris conscience au fur et à mesure que j'arrivais pas à avoir un rendu qui me plaît avec une palette aussi réduite que sur l'image. Ok. Ok, ok. Du coup, c'est un truc qu'il faut noter, typiquement, pour la prochaine fois. L'erreur que tu peux te dire que tu as fait, c'est peut-être pas avoir pris assez le temps sur le choix de ton modèle, tout simplement. Ce que je fais, des fois, à titre personnel, quand je dois peindre une figurine de concours ou quoi, c'est que des modèles, je vais aller en chercher plein. Et même si je suis satisfait, même si j'ai trouvé un modèle qui, je pense, être le bon, bah, je vais continuer à en chercher d'autres. Parce que, en fait, des fois, t'as juste pas conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui te plaira mieux. Des bisous Komodo, bah occupe-toi bien de ta petite famille. Mon perso gagnera en impact si tu poussais la lumière beaucoup plus sur la peau. Bah en soi sur la peau, si on compare, je vais recentrer un peu l'image là, ce sera plus facile. Hop là, on va la recadrer. Voilà, tu vois si on recentre, ça manque un peu de lumière, mais il n'y a pas que la lumière, il y a aussi les ombres. Tu vois c'est les deux, à la fois l'ombre et la lumière. Ceci étant fait, je vais repasser, hop là, en coloré. Là, on est bon. Donc, typiquement, là, t'as fait un travail à l'aérographe. Donc, c'est propre. T'as déjà des nuances. T'as déjà dégraissé l'essentiel. J'ai pas beaucoup de reproches à faire à la peinture que t'as. Étant donné que c'est un... On va dire en cours. À part que, et c'est la difficulté de l'aérographe, c'est que pour l'instant, tout est propre, mais il n'y a pas de contraste. Et il va falloir rajouter beaucoup de contraste. Donc, si tu veux, ce qui est compliqué, c'est que quand tu fais la couche à l'aéro, elle est belle, elle est propre, et tu rechignes un peu à reprendre par-dessus parce que tu n'as pas envie de niquer tout ton dégradé. Or là, il y a carrément des zones où ta couche d'aéro ne sera plus visible parce qu'il faut beaucoup plus de lumière. Je t'explique, enfin, je te montre, ce sera plus facile que t'expliquer. Là, sur la partie de la tête, tac, je pipette ça, je pars sur du plus clair, voilà. Je sais que très clairement, toute la zone de front en haut, si je suis un peu le modèle que tu as choisi, bah, toute cette zone, par exemple, si la lumière vient du côté, cette zone ici va être extrêmement claire, donc va falloir y aller de façon très violente. Et si cette zone-là est claire, bah, je sais que toute cette zone ici aussi, là il va falloir augmenter la lumière. Et pareil, je vais prendre un truc encore plus gros. Encore un peu plus gros. Mettons, je vais vignetter un petit peu. Je vais me contenter de travailler sur cette zone-là. Et donc quand je vais m'éloigner vers le bas, je vais laisser sombre. Tac.
Un peu par ici, un peu par là. Et là, ok. Et à l'inverse, bah toute la zone qui est sur le profil, si je veux répéter ce qu'il y a sur la figurine, enfin sur l'illustration, pardon, j'arrive plus à parler, bah à l'inverse, ici sur le côté, je vais devoir vachement ombrer dans un premier temps. Pareil sur le côté là. Et là, je vais réduire un peu la taille pour aller dans le détail. Tac, tac. Et ça, la difficulté, c'est qu'à l'aérographe, une fois que tu as posé ces couches-là, tu rechignes vachement à le faire au pinceau parce que tu as un peu peur de, merde, de tout niquer. De dire, oh là là, j'ai posé ma belle couche, maintenant que je reviens avec mon pinceau, ça va être dégueulasse. Tu vois l'idée? Ah bah c'est pas fini, c'est pas un whip. Ah c'est fini en fait, c'est pas un whip. D'accord. Ah bah là pour le coup, si c'est pas fini... tu vois, c'est ça qui te manque en fait. C'est de la pose de lumière et d'ombre. Là, moi, si je repasse ton dessin en noir et blanc, tac, tout est propre. Hein. C'est pas là le dégradé, tout est nickel. Par contre, encore une fois, tu vois, c'est très plat. Et là, si je remets par-dessus mon calque, je vais aussi baisser la saturation. Là, je rajoute des lumières, il commence à se passer des trucs. Tu vois l'idée? On voit des volumes qui apparaissent et tout. C'est ça qui va te manquer. Regarde les boxeurs MMA pour avoir une idée de ce que tu sers la peau, lumière vive. Félicitations David. Donc en gros, Angry Painter, la difficulté que tu vas avoir aujourd'hui, c'est que tu as une obsession de ce que je vois pour sur le dégradé. Tu veux que ce soit hyper propre. Mais ça risque de te freiner un peu parce que tu vois, je suis pas sur les valeurs maximales, hein, là j'y vais pas au blanc. J'ai rajouté un peu de lumière et un peu d'ombre. Et encore, les ombres, j'y vais mollo. Parce que là, de la même façon, deuxième petit souci, je reviens, je remets mes trucs. C'est que là, je l'ai fait sur la peau, mais sur le métal, c'est la même. Il va falloir y aller plus violent que ça. Donc là, je vais carrément prendre du noir. Alors, je suis pas tout à fait au noir, je suis un peu avant. Et tu as de l'espace pour ombrer ta figurine. Donc là, ce truc-là, ici, toute cette zone-là, toute cette partie-là, ce truc ici. Alors moi, j'ai choisi arbitrairement que la lumière venait de la gauche, parce que, comme sur le dessin. Voilà, tac, tac, tac. Et globalement, maintenant, je vais baisser un peu toute la valeur de cette partie de métal, parce que comme sur le dessin, tu peux voir, en fait, la valeur est très très basse, c'est ultra sombre. Et en passant, le dessin en noir et blanc, on le voit très clairement. Mais globalement, ça est très, 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 très sombre. Et juste d'avoir baissé... Tu vois, je travaille assez peu, finalement, les ombres et les lumières. Je l'ai fait un tout petit peu, rajouter des ombres. Et là, je suis en train de baisser toute la valeur. Ça te permet de vraiment distinguer la zone de métal de la zone de la peau. Comment tu estimes que tu vas trop loin ou pas assez loin dans le contraste de valeur ? Bah là typiquement, si je veux le savoir, lui il a pris ce modèle là, encore une fois, moi je peux le passer en noir et blanc, hop, et avec un logiciel photo, je peux très bien aller pipeter les couleurs, si t'arrives pas à le voir à l'œil, à quel point c'est noir ou à quel point c'est blanc, tu peux pipeter avec ton logiciel pour extraire les couleurs de l'image et voir à quel point c'est sombre, à quel point c'est clair. Comme d'habitude, ces trucs là, moi je les sors pas de mon chapeau et je vais beaucoup me documenter. Merci beaucoup pour ton Prime, Crobinet, et bienvenue à toi, Yavans69. Merci beaucoup pour ton follow. Donc là, il a choisi une image de référence. C'est exactement pour ça que je vous invite à aller choisir des images de référence pour répondre à ta question. Je ne me demande pas si c'est assez ou pas assez. Je prends un modèle et je copie. Et à force de copier, je vais avoir de l'expérience qui me permettra de ne plus avoir toujours à copier une image. C'est un peu ça l'idée. Là j'avoue il fait une clope, ça fait vraiment le cliché du mec qui vient de tirer sa meuf, tu sais, genre bébé, c'était très sympa. Je trouve ça assez stylé, c'est plutôt classe. Tac. Qu'est-ce que je peux te dire de plus là-dessus? Si, petite chose en plus, c'est sur les cheveux. Les cheveux c'est un truc qui est assez difficile. En gros, comme t'as pas décidé d'avoir des lumières qui viennent d'un endroit en particulier sur ton image, tu les as traités un peu en volume, la barbe et les cheveux.
enfin un peu de manière généraliste, il va te manquer un peu cette vision volume. Donc, je t'explique, les cheveux, avant d'avoir des détails, c'est une sphère sur laquelle il y a des détails. Donc, je te trace ça sur un calque, tu vas comprendre, ce sera beaucoup plus simple. Je vais toujours faire la lumière dans le même sens que ce que tu as choisi pour les cheveux. Je vais commencer par tracer une boule, voilà, l'incroyable boule, la boule magique. Voilà, ça c'est le volume, hop, je fais beaucoup trop gros, ça c'est le volume de ses cheveux. Je vais prendre plutôt la version nette. Voilà, ça c'est le volume de ses cheveux, d'accord ? Je viens avec le crayon, non je gommerai après. C'est une sphère, donc par-dessus cette sphère, je vais commencer à rajouter des lumières. Donc là, je vais pas me casser la tête. Ah, pourquoi c'est noir ? Parce que j'ai pris la gomme comme un gros naze. Et je reprends ce truc là, voilà, on est beaucoup mieux. C'est beaucoup trop clair, je vais prendre un truc plus sombre. Voilà. Là, je rajoute la première lumière et à l'intérieur la deuxième. Et voilà, là j'ai éclairé ma sphère. Ok, ça c'est le volume des cheveux. Par-dessus ça, maintenant je vais gommer ce qui manque, enfin ce qui est en trop on va dire, sur le volume de sphère. Donc ça, c'est l'équivalent de ce qu'il a sur, sur sa tête, c'est ses cheveux. Et par-dessus ce truc-là, c'est là où je vais pouvoir commencer à bosser le détail. À savoir, je prends un petit pinceau, par contre il faut que je baisse la pression, c'est beaucoup trop fort. Voilà. Là, je vais commencer, tu vois, à faire... Alors, je suis désolé, moi, je suis à la souris, c'est pas exceptionnel. Mais par-dessus ça, je vais faire les petits traits. Mais d'abord, j'ai traité le volume global. J'ai pas attaqué les détails tout de suite. Et souvent, ça, c'est un petit problème qu'on a avec les cheveux, c'est qu'on s'accroche vachement aux détails, en mode, vas-y, let's go, je fais les traits et tout. Et on oublie que avant, tu vois, là, je fais les détails dans l'autre sens, donc là, je viens ombrer. Et là, ça me permet d'avoir de loin le volume capillaire. Je sais pas si c'est clair. Et du coup, sur tes cheveux, enfin ceux de la figurine, bah, ce qui va te manquer, c'est exactement ça. Moi, je vais revenir avec ma petite palette. Donc maintenant, je vais rajouter la lumière par ici. Je vais rajouter au contraire de l'ombre dans l'autre sens. Et éventuellement, à la fin, j'aurais plus qu'à revenir ajouter un tout petit peu... Tac, voilà, de détails sur certaines mèches de cheveux avec du plus clair et c'est tout. Et là, d'avoir fait ça, ça me permet de faire apparaître le volume des cheveux. Merci beaucoup, professeur Shentai. Est-ce que ça va, c'est clair? J'essaie d'expliquer, je suis désolé, c'est pas évident à expliquer, mais j'espère que ce sera clair. S'il y a l'un d'entre vous qui n'a pas compris ou que c'est pas clair, vous me dites. Hein. Mais pourquoi je vous ai fait la sphère à gauche avant d'attaquer les cheveux? C'est histoire de bien vous faire capter que il faut essayer de simplifier le volume dans sa tête. Donc là, moi, je suis basé sur le volume de sphère et j'ai gommé ce qui dépasse de la sphère. Comme ça, ça me permet d'avoir un volume simple que je maîtrise, je sais à quoi ça ressemble, la lumière sur une sphère, c'est pas compliqué à faire. L'oiseau doit être sympa sur ce genre de petit buste. L'oiseau? Ah oui, j'ai même pas vu qu'il y avait un oiseau. Donc voilà, c'est ça principalement pour moi que je peux te dire, Angry Painter. Je vais pas rentrer sur le détail, tu vois, des petits trucs de lumière par-ci par-là qui manqueraient, parce que c'est pas le plus important. Pour moi, ce qui te manque, c'est de choisir une lumière directrice, d'où elle vient, et de commencer à bosser le contraste un peu plus vénère. Là, c'est un peu trop encore de la peinture. T'as quelques idées, tu poses un peu d'ombre, un peu de lumière, mais c'est encore un peu confus, c'est un peu trop compromis, faudrait y aller un petit peu plus violent. Ne serait-ce que parce que quand tu peins une figurine, on s'attend à ce que tu nous racontes quelque chose avec la lumière, que t'attires le regard sur certaines zones et tout ça quoi. Je comprends que je fais n'importe quoi, la préparation s'est résumée à regarder l'image, à y penser et sauter dans l'improvisation. Bah après c'est tout à fait normal. Les premières fois, c'est déjà bien que t'aies sorti une image, que tu la regardes et que tu te lances dans la peinture après. C'est déjà un premier pas. La deuxième fois, maintenant que t'as vu ça, tu vas dire « Ok, la deuxième fois, je vais essayer de prendre un peu plus le temps de décortiquer l'image. » Tu verras que ce sera toujours pas assez. Et la troisième fois, tu feras plus, etc. etc. Du moment que t'as commencé à le faire, pour moi, c'est le principal. Est-ce que t'as d'autres questions, peut-être ?
Ou d'ailleurs, est-ce que vous, vous avez d'autres questions? Que ce soit Angry Painter ou d'autres, je ne sais pas. Mais elle est très très sympa, hein, cette fille et tout. C'est marrant parce que le perso, il fait beaucoup plus vieux en figurine que sur l'image à droite. Sur à la droite, là, ça fait vraiment le petit Don Juan, il est mignon, il a une belle tête et tout. À gauche, on dirait presque Solid Snake. Les bustes que je recommanderais pour peindre des bustes. Ah, c'est une bonne question. Je pense pas que j'irais jusqu'à recommander universellement un buste. Je pense que ça dépend quand même beaucoup des gens, de ce que tu veux travailler, si t'as des difficultés en particulier, si c'est pour... Je me dis, t'as jamais peint de buste, peut-être que t'as du mal à faire des dégradés sur des grandes surfaces, donc ça peut être un barbare tout musclé. Si ça te fait trop peur, tu peux choisir quelque chose de plus détaillé. Je pense que ça dépend vraiment ouais, des gens. Ça dépend de ce que tu veux travailler. À 9. Bah avec plaisir, Kotei. Moi, je kiffe bien vous faire ce petit bistrot là de temps en temps. C'est assez sympa. J'attends si Angry Painter me répond. Selon ce qu'il répond. Ouais, j'aime bien ce petit buste. C'est pas un truc officiel de Deus Ex, mais Big Child a dû s'en inspirer. Oui, sûrement, sûrement. D'accord, c'est du Big Child. J'avais même pas vu cette sortie de buste. Bah écoute, je te sauvegarde cette image. Et si tu en as besoin, je te l'envoie sur en MP. Tac, tac, voilà, c'est sauvegardé. Tac. Et tac. Celui-là, non, je vais pas le sauvegarder. Hop là, je repasse. On est là, on est de retour. Bon, bah écoutez, c'était bien cool. Et j'espère que vous avez kiffé ce petit épisode. Je vais le mettre évidemment hein, sur YouTube, il n'y a pas de problème, il sera upload en rediffusion. Je fous la merde pour les 10 minutes. Là, c'est fini de toute façon. Je vais juste clôturer, tu vois, donc je prends pas trop de risques normalement. Donc, il y aura probablement d'autres épisodes de ce type-là. Ça vient comme ça vient. En gros, là, je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça pourrait être sympa de faire une petite émission là-dessus. C'est un peu comme quand on avait fait sur le devenir peintre pro de figurines. Il y en aura peut-être d'autres. Peut-être d'autres choses à rajouter de prochaine fois. Ça pourrait être cool aussi d'avoir un autre peintre qui le fait, ce genre de truc. Histoire d'avoir d'autres sons de cloche. Je pense que ça pourrait être pas mal. Peut-être un jour, on ne sait pas. Et puis voilà. Donc je pense moi je vais rendre l'antenne. Comme ça je vais pouvoir chiller à la cool. Je vous rappelle quand même le programme de cette semaine avant de se quitter. Voilà. Donc cette semaine, moi, c'est beaucoup de MCP. Parce que j'ai David qui a besoin de plein de trucs pour faire la bagarre. Et mercredi soir, alors c'est pas sur cette chaîne. La chaîne là, Twitch sera off parce que je serai sur la chaîne de la Wargame Room pour faire un épisode. Et si je débutais les World Eaters? En gros, lui, il veut se lancer dans une armée de World Eaters. Il a pas beaucoup d'expérience de peinture et il voulait avoir des conseils pour se lancer dedans. Aussi bien pour être sûr de faire le bon choix de schéma de couleur que de bien l'appliquer, d'utiliser les bonnes techniques pour avoir un résultat sympa. Et du coup, mercredi soir, on discute un petit peu de ce qu'il veut faire, ses inspirations, ce qu'il sait faire et tout et tout. Donc on va passer une soirée comme ça sur la Wargame Room. Après, jeudi, vendredi, de nouveau du Marvel. Et Sugen, je suis pas là, même le dimanche, parce que je donne des cours. Donc du coup, il y aura pas de stream dimanche soir. Ça permet de mieux savoir qui tu es. Je sais tout de toi maintenant. Nouveau kit AK Hide Pigman. Je suis même pas au courant de ça. Faut que j'aille voir. Le t-shirt, c'est un t-shirt Zelda. Un vieux t-shirt. Qui est tout déglingué. C'est mon pyjama, monsieur. On critique pas le pyjama. Bah avec plaisir, Angry Painter. En espérant que ça t'aide pour la suite, surtout. Et salut à toi, Panda Blide. Merci pour ton follow et bienvenue. Du coup, bah, je vais rendre l'antenne. Comme d'habitude, vous avez un petit bouton si vous voulez me suggérer quelqu'un en raid. Moi j'ai qui? J'ai Maf et Marmotte qui jouent à 40k Gladius. Et après j'ai Antoine, Daniel et Zerator, mais ils font du Lican. Je sais même pas ce que c'est Lican. Je connais même pas. Pour le coup. Bon, je pense plutôt vous envoyer soit c'est Maf, soit c'est Monsieur Marmotte, l'un ou l'autre. Ah bah écoute, bien sûr David, pourquoi je m'embêterais à streamer autrement qu'en pyjama? Je suis sûr que quand vous faites du télétravail, vous aussi, vous êtes en pyjama. Et puis, ah si, conclusion quand même. Michel le sapin est de niveau 2. Il me reste les boules à mettre, mais quand même, il est stylé là.
C'est une sorte de loup-garou. Ok. À poil, carrément. Y a Riku ? Pourquoi je vois pas Riku alors, s'il y a Riku ? Attends, je vais aller sur. Je vais aller fureter sur Twitch là, comme ça je verrai tout de suite. Tac. Non, c'est pas là-dessus. Bah pourquoi je le vois pas ? Bah si vous voulez, ouais, let's go Riku, hein, si ça vous fait plaisir. Ça lui fera plaisir. Riku Painting, ok. Il a commencé autre que peinture ce soir. Ah, c'est peut-être pour ça, non ? Bah non, normalement il est dans mes abonnements, donc je suis censé la voir en raid, mais ça a pas l'air de... C'est bizarre. Je sais pas, soit il y a un truc que j'ai pas compris ou quoi, mais les gens que je suis abonné sont censés être dans le fil de raid. Je sais pas. Le ninja du bootcamp. On n'a pas un ninja au bootcamp ? On n'a pas fait ça. Bon, en tout cas, je vous envoie chez Riku. Merci d'avoir suivi ce petit épisode. Je vous fais plein de bisous. Et je vous donne rendez-vous demain à 14h pour le travail. Voilà, parce qu'il faut bosser. Il faut bien gagner sa croûte. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Peignez bien, rêvez bien de peinture. Et du coup, maintenant, vous avez un atelier tout propre. Et ça, c'est vous. Ça, je suis fier. On se sent influenceur. Allez, à demain. Ciao.